On fait un petit coucou à vos copains sur YouTube. On se retrouve ce soir justement pour fêter les 9000 et on va aller sur les Schtroumpfs. La version récente, mission Malfeuille. Alors je crois qu'il faudrait peut-être ou potentiellement une manette. Parce que de ce que j'ai vu, c'est téléchat, c'est ça. Merci. Alors vous savez quoi? Je sors la manette pour le coup. Ah. J'aime bien le oui. Calme-toi, Freeman. Tu te calmes. Une bouteille de l'aluminium, de l'acide fluoridique. Ferme la bouteille et schtroumpfez-vous là. Tronchez-vous de là. Combien? C'est allure extrême. Alors ça schtroumpf. Bonne nuit, moi du futur. Tu t'es teinté en bleu? Bah oui. C'est pas la cam qui déconne. C'est moi, tu vois. Allez, on lance. On fait de la bascule. Non mais n'importe quoi. De base. Oui, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'on va se marrer? Est-ce que vous êtes aussi heureux que moi de découvrir? Moi, oui. Français-canadien? Sérieux? Alors je suis désolé, à la manette je sais pas jouer. Vous me dites si le son est bon ou pas? Vous voulez que j'éminue? Ça te ressemble tellement pas. Ouais je sais. Ouais les voix en tchèque. Vive le grand Schtroumpf, notre guide suprême, notre grand timonier dimanche. Merci monsieur Souris. La musique est un peu forte par rapport à ta voix. C'est mieux, Patty? Ah, faut que ça soit confort. Hein. C'est ça. Comment s'endormir avec cette musique schtroumpfote? Allez, on valide. Oui, on redémarre, il n'y a pas de souci. Non, ça a l'air bien, non? Au niveau du son. Pas besoin de redémarrer. Astronome. Salut à toi. J'espère que ça schtroumpf. Nouvelle partie. Oh bah oui. Ouais. Élémentaire, mon cher schtroumpf. Tout simplement schtroumpf. Une expérience classique pour tous les schtroumpfs déterminés à aller jusqu'au bout. Une épine dans le schtroumpf? Non, non. On va choisir normal. Laissez-moi vous schtroumpfer l'histoire de la Malfeuille, une terrible aventure de graines et de feuilles. Pour mieux vous la conter, j'ai schtroumpfé ce poème, accompagné d'images que j'ai schtroumpfé moi-même. Oh putain, c'est schtroumpfouette, il me casse les noix. Dans le village des Schtroumpfs, dans la lumière douce, vivent des êtres bleus que vous connaissez tous. Il y a le grand Schtroumpf, notre chef adoré, et aussi la Schtroumpfette, qui est ma préférée. Le schtroumpf bricoleur, le gourmand, le farceur, mais de les citer tous serait un grand labeur. Parlons donc du voisin, sortons de la forêt et intéressons-nous à cette masure paumée. Là vit un sorcier moche, tout noir de haut en bas, qui vit tel une mémé tout seul avec son chat. Il porte des bottes rouges, nul ne s'habille comme ça. Pour le schtroumpf tailleur, c'est un fashion faux pas. Cet homme, c'est Gargamel. Vous l'aviez deviné. Ah, si j'étais plus grand, je lui taperais le nez. Il n'a qu'une idée fixe, ma foi, quelle misère. Il veut schtroumpfer des schtroumpfs pour une histoire de pierre. Cette fois, ah, ça schtroumpf bien, tant mieux. Dans un très vieux grimoire, une formule oubliée qui fait pousser des poires.
Non, pas des poires. Non, attendez. Non, qui fait pousser une plante mythique, vénéneuse et dangereuse. Ah oui, c'est ça. Ce qu'il a donc schtroumpfé dans son très vieux grimoire, c'est une plante dangereuse, comme vous allez le voir. D'ailleurs, l'ambiance est lourde. Le grand schtroumpf est inquiet. Des schtroumpfs ont disparu. Il faut vite enquêter. Oh, je suis très inquiet. Hein. C'est vrai qu'on entre mecs. Ah, te voilà, schtroumpf costaud. Bonjour, grand schtroumpf. Le schtroumpf bricoleur m'a dit de venir vous voir. Il m'a posé un drôle d'appareil sur le dos. Il appelle ça le vaporisage schtroumpf. Oui, et c'est sa nouvelle invention schtroumpf-tastique. Elle va lui permettre de soigner toutes les plantes contaminées qui ont schtroumpfé le village. Et peut-être schtroumpfer certains schtroumpfs qui ont disparu. J'espère. Mais le schtroumpf bricoleur m'a dit qu'il manquait un réservoir à sa machine. Et c'est pour ça que tu es là. Sans lui, impossible d'utiliser correctement le vaporisage schtroumpf. Le réservoir est une fleur que j'ai bien étudiée et que l'on schtroumpfe un peu plus loin sur le chemin. Elle semble avoir développé une forme d'immunité face à la contamination. Elle pourrait donc résoudre notre problème ? Espérons-le. D'ailleurs, en parlant du vaporisage schtroumpf, tu as l'honneur d'être le premier à schtroumpfer cette nouvelle invention. Mais les voix trop basses. Que tu es toujours d'accord. Aussi fort, même avec cet attirail sur le dos. Vaporisage schtroumpf ou pas, c'est moi le plus fort, grand schtroumpf. Mais je peux m'entraîner avec, si vous schtroumpfez que c'est nécessaire. Je préfère, schtroumpf costaud. On n'est jamais trop prudent. Je t'ai schtroumpfé un petit parcours. Commençons l'entraînement. Rends-toi jusqu'au schtroumpf paysan qui schtroumpfe près de la rivière. On va voir si le salut les messieurs, ça schtroumpfe trop tes mouvements avant de schtroumpfer plus loin. Et toi tu es en costume? Ouais. Attendez, vous m'avez dit les voix. Alors le son, normalement il devrait être bon. Je peux augmenter jusqu'à 70%. Après, j'ai peur que ça gueule. Voix, elles sont déjà à 100%. Je vérifie. C'est mieux, Michael. Comment vas-tu, Tourian? Mais ils se reproduisent par mitose, non? Je crois. Trouve la fleur du vaporisage schtroumpf par le schtroumpf paysan. Oh, il y a d'autres schtroumpfs. Ça va? Bonne fin de journée, mon cher Gavark, des gros bisous. Ah, Vadiou, te v'là, schtroumpf costaud. Le grand schtroumpf m'a demandé de te tester pour être sûr que tu vas bien schtroumpfer ta mission. Je sais, schtroumpf paysan. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tiens, schtroumpf la tête vers le haut, là-bas, en haut de la falaise. Il y a quelqu'un qui devrait te schtroumpfer un petit coucou. Là-haut, la schtroumpfette, elle est trop schtroumpf. Cré vient doux, ça fait du bien de se reposer, mais pour toi, c'est l'heure de l'entraînement. Et oui, je veille toujours à rester en forme schtroumpf, paysan. Comment on fait pour choper ça? Allez, c'est parti pour faire quelques sauts. Les Nagfigel, c'est aussi c'est une femme pour 500 hommes. Mais elle n'a qu'un seul mari. Tu es sûr que tu veux choper le cadeau du Schtroumpfarceur? Bah oui, je sais pas, ça peut donner un petit truc, non? Encore ces satanées herbes contaminées. Vivement que je puisse les soigner. Hop là.
Ça va, tu as vraiment réparé tous les ponts? Il va bien falloir. Le grand Schtroumpf m'a demandé de remettre en état tous ceux qui ont été schtroumpfés ici. Ah bah t'as du schtroumpf sur la planche, attention à tes doigts, bon courage. C'est ça leur parcours de saut. Je vais le schtroumpfer les doigts dans le nez. Salut Skefrep. Ça schtroumpf? Normalement, ça donne la migraine ou une séance de chirurgie faciale en fonction de la résistance aux explosions. Salut, Schtroumpf costaud. Qu'est-ce que tu viens schtroumpfer par ici? Je cherche une fleur étrange censée m'aider à schtroumpfer la contamination. Ah oui! Le grand Schtroumpf nous a expliqué qu'il en profiterait pour te mettre à l'épreuve. Il paraît que tu dois tester l'invention du Schtroumpf bricoleur. Oui, le vaporisage Schtroumpf. Je m'entraîne avec. Je Schtroumpf et je Schtroumpf pour essayer d'être le plus à l'aise possible. Eh bien, continue à t'entraîner parce que là-bas, il faut sauter au-dessus de la rivière. Fais très attention de ne pas Schtroumpfer dans l'eau. Vous inquiétez pas, je sais nager. C'est pas la question, Schtroumpf costaud. Si tu schtroumpfes dans l'eau, le poids du vaporisage Schtroumpf risque de te schtroumpfer vers le fond. Et là, fini la promenade. Alors je vais faire attention. Ah, pourtant le volume général est à fond, hein, tu l'as vu. Je peux regarder, hein, mais normalement... Ouais, tu vois. Attends, hop. Non, non, ouais, c'est fixe, musique, la voix elle est à pleine balle. Non, j'ai rien d'autre. Ah, je suis désolé, Michael. Picunicu, c'est un jeu d'exploration et de puzzle. Ah oui, il est sympa ce jeu, Donovan. Oh. Là, la fameuse fleur. Aucun doute, c'est bien elle. Elle n'a pas l'air malade. On dirait qu'elle est immunisée. Je devrais pouvoir sauter sur ce gros champignon pour continuer plus loin. Ouais, mais je peux pas récupérer. Oh. Le village. Enfin. J'ai hâte de leur montrer la fleur. Ça va remonter le moral à tout le monde. Je trouve que non. Malcolm a fait un one shot. Sérieux? Bravo, Malcolm! Ah bah, la vache! Bravo, mon garçon, je suis vraiment très content pour toi. Oh, ça fait plaisir, hein. Ça a été long, celui-là. Ah, c'est bon. Je vois la fleur au loin. Je peux continuer d'avancer. Dis-moi, Freeman, tu avais l'air très emballé par les schtroumpfs. Faire des sauts, rien de mieux pour schtroumpfer la forme. J'adore. Attention quand même à ne pas tomber. T'inquiète, il me suffit d'être plus attentif au live. Ouais, mais sans meurdant, j'aime bien quand vous avez votre petit confort aussi. Hein. Oui. Tu l'as, les schtroumpfs, c'est ça. L'autre nom de la schtroumpfette, c'est la blue... la Bluetooth. Ouais, c'est ce qu'on lui donne comme surnom le week-end. Et si lourd comme comment il saute? Bah apparemment. Oui. Bonne nuit Yag, des gros bisous. C'est pour ça que je te l'ai conseillé. Pourquoi je ne peux pas être surpris? C'est bon, mission accomplie. J'ai trouvé la fleur. Même avec le vaporisage Schtroumpf sur le dos. Je peux augmenter via le OBS, ouais. Il est temps de schtroumpfer au village. Vite,
Je dois schtroumpfer cette fleur au grand schtroumpf et au schtroumpf bricoleur. C'est seulement si je peux, parce que si je peux pas basculer, mon cher Joey, c'est mort. C'est bon, je peux basculer. Ah ouais, ça coupe un peu, mais voyons voir. On attend que ça bascule. Bon, la musique, on va la laisser à 70. Normalement, ça devrait aller. Hein. Quoique, je vais la mettre à 60. Quoique, vous êtes plein qu'elle n'était pas assez élevée. On va la laisser comme ça. Vous me direz si c'est bon ou pas. Je demande qu'on recompte les chiffres du bingo. Non, non, on peut laisser la VAR aussi. Hein. Je relance ce que j'ai dit avant le bingo. Il me semble que dans une des BD Schtroumpf, il y a Schtroumpf Coquet qui a un très gros crush pour Schtroumpf Costaud. Alors là, je sais plus. Hein. Heureusement, c'est notifié. Ah, il faut que ça parle maintenant. Oh, salut, qu'est-ce que tu fais? Salut, Schtroumpf Costaud, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as schtroumpfé une fleur dans la forêt, apparemment. Ah, je parie que c'est pour la schtroumpfette. Non, tu as perdu ton pari. Cette fleur sert à schtroumpfer la nouvelle invention du schtroumpf bricoleur. Sa nouvelle invention? Oui, le vaporisage schtroumpf. Attends, ne dis rien, je parie que c'est un... Que c'est pour schtroumpf... Allez jouer sur l'autoroute. Ça marche, Marnessa. Bon schtroumpfage. Schtroumpf bricoleur, voilà la fleur magique que le grand schtroumpf m'a demandé de te schtroumpfer. Merci, schtroumpf costaud. Je vais enfin pouvoir terminer mon vaporisage schtroumpf. Tu es sûr de toi, schtroumpf bricoleur? Oh oui, grand je t'en prie, Michael, avec plaisir. Le vaporisage schtroumpf va vous étonner. Grâce à lui, adieu la contamination. On pourra accéder à tous les quartiers du village bloqué. J'espère qu'il va nous étonner en bien, schtroumpf bricoleur. Rappelle-toi ce qui s'est passé quand tu as schtroumpfé des robots. Le schtroumpf costaud a raison, schtroumpf bricoleur. Tu schtroumpfes parfois des inventions. Salut, que tu n'arrives plus à contrôler. Oh, ne soyez pas défaitiste. Le vaporisage schtroumpf est certainement mon invention la plus aboutie. Et la plus efficace, ça je peux vous le schtroumpfer. J'ai hâte de voir ça. Il faut absolument schtroumpfer cette contamination une bonne fois pour toutes. Schtroumpfez-moi quelques minutes, le temps que je mette le réservoir dans le vaporisage schtroumpf. Et voilà le travail. À toi de jouer, schtroumpf costaud. Va soigner les herbes contaminées dans le village et reviens nous voir quand tu auras terminé. Oui. Coucou, c'est un schtroumpf? Allez, je vais tester ce vaporisage schtroumpf sur les herbes contaminées. Ah, j'ai vu qu'il y avait schtroumpf pécor. Salut! Tu vaporises encore? Alors, soigne les herbes en appuyant sur RT. Hein? Mince alors. Il n'y a plus de soin. Je l'ai trop utilisé et j'ai schtroumpfé tout le réservoir. Il faut que je patiente un peu le temps qu'il se recharge. Super! Je sais pas comment on fait. Il y a un petit côté Mario Sunshine. Bonsoir Spop, ça schtroumpfe? Ah ouais, moi je veux bien, mais je peux pas schtroumpfer autre chose. Ah d'accord. Merci Man Pepper, merci beaucoup pour ta générosité, c'est très gentil, merci beaucoup.
Je pense que ce sera pour plus tard, les champis. À mon avis, ça sera pour plus tard, hein, parce que le fer à mano... Ça y est, grand schtroumpf. J'ai schtroumpfé peut-être, toutes les plantes contaminées. Le vaporisage schtroumpf est extrêmement efficace. Et facile à schtroumpfer, en plus. Mon invention fonctionne à merveille, je vous l'avais bien dit. D'ailleurs, le vaporisage schtroumpf n'a pas encore fini de vous épater. Lors de tes petites escapades hors du village, ouvre l'œil. Si tu me trouves des ressources, je pourrai améliorer le vaporisage schtroumpf. Oh. Et tu auras encore plein de surprises. Ah, eh bien, j'ouvrirai l'œil, schtroumpf bricoleur. Oui, mais nous avons encore du schtroumpf sur la planche, mes petits schtroumpfs. Il manque des schtroumpfs au village. La dernière fois qu'on les a vus, ils se rendaient au barrage. J'espère qu'ils n'ont pas disparu comme les autres. Il faut que tu ailles schtroumpfer ça de plus près, schtroumpf costaud. Oh oui, mais fais bien attention à toi. La zone autour du barrage est très contaminée. Oh. Utilise le vaporisage schtroumpf pour te schtroumpfer un chemin si tu vois des herbes contaminées. Ça sera l'occasion de tester mon invention sur le terrain. Comptez sur moi. Je vais retrouver les schtroumpfs qui ont disparu. Et les plantes contaminées n'ont qu'à bien se tenir. Tu auras une schtroumpf fatality. Je me demande ce que ça peut être. Bon, je suis désolé, hein. Je fais le plein de ma... Oh, bonjour. Schtroumpette. Vapette, schtroumpette. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, le barrage. Let's go. Pousse-toi. Ah, là, là. Bonjour, je suppose. Ah, j'en profite, hein. Oula, attends. J'ai où? Ok. Merde. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il est beau, ce vaporisage schtroumpf. Il est où, le schtroumpf alcoolique? Bah, toujours chez lui, habitué. Ou à cuvée. Dans le deux questions. Sur 19, il y en a 19 dans le village. Ah bah, on n'est pas sorti, hein. Hop là. C'est charmant. Oh, je pense pas que je peux me blesser, si. Non, c'est des schtroumpfs. Baroubar. Oh. C'est schtroumpf cuisinier. Oui, je trouve gourmand. Oh, le barrage. Le grand jour est arrivé. Je vais enfin pouvoir schtroumpfer le vaporisage schtroumpf. Je crois qu'il est déconseillé d'ouvrir les cadeaux. Bah, écoute, je sais pas ce qu'il peut m'apporter, mais si ça peut m'apporter un truc, je ne crache pas dessus. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, attends. Et merde. Hop là. Ah, j'ai déçu. Salut Totoro, ça schtroumpf? Le schtroumpf cuisinier, ce héros. Et merde. Et hop, hop là. Oh, pas mal, nice. Et hop. Et merde, je pensais pas le... Je l'avais raté, je pensais l'avoir raté, mais en fait non, pas du tout. La question est... Où est l'ennemi juré de schtroumpf costaud, schtroumpf farceur? Alors là... Hop là! Et hop!
génial. Non, j'ai voulu tenter la même chose, mais apparemment, c'est pas sur le rebord. Tant pis. Youpi! Hop là! Nom d'un schtroumpf, c'est quoi ça? On dirait qu'ils sont contaminés, eux aussi. Un bon coup de vaporisage schtroumpf devrait faire l'affaire. Vous, vous avez une tête à vous appeler Malboule. Salut les Malboules. C'est ça, Godcus. Un Malboule. Ouch. Oh, j'ai eu de la salse pareil. Oh, c'est trop bien. Et hop. Ça marche, ce truc-là. Hop là. Bon. C'est, je trouve, syndicaliste. Ouais, c'est pas ouf. Ah, mais je trompe. Et qu'il dure toujours, tes schtroumpfs. Ah bah, schtroumpf, alors. Ça doit être les fameuses ressources dont le schtroumpf bricoleur m'a parlé. Si j'en récolte plusieurs, il pourra perfectionner le vaporisage schtroumpf. Ouais, on va passer par le bas. Hein. Sans moins 15 bombes, je pense. Quoique, qu'est-ce qui m'empêche de descendre, en vrai? C'est un jeu à patoun, c'est un jeu à patoun. Génial. La patoun ne meurt jamais. Oh non, elle ne fait qu'évoluer. Ça a copié sur Mario Sunshine. Ah, t'es pas le seul à avoir fait la réflexion, Yann. Bon, là, même topo. Bon. Donne-le-moi. Bon, tant pis. J'aurais essayé. Et hop. L'écologie. Oui, c'est ça. Bon, c'est sur les schtroumpfs, hein, en même temps. Schtroumpf costaud, à l'aide! On est bloqué à cause du pont qui s'est écroulé! Pas de panique, j'arrive! Laissez-moi schtroumpfer ce problème de pont! Bon, le vaporisage schtroumpf soigne la contamination, mais il a peut-être d'autres pouvoirs. Essayons de schtroumpfer un coup sur cette fleur. Ah oui, c'est celle que j'ai eue tout à l'heure. Merci, Schtroumpf costaud. Mais c'était quoi ce tour de magie? Oh, c'est pas de la magie. C'est la nouvelle invention du Schtroumpf bricoleur. Grâce à elle, je peux schtroumpfer la contamination. On dirait que tu peux aussi t'en servir pour te frayer un chemin. Oui, c'est schtroumpfant, hein? Avec le vaporisage Schtroumpf, tout est possible. Bon, je vous laisse. Je vais au barrage, voir s'il y a d'autres Schtroumpfs à sauver. Une seconde. Je me bataille depuis tout à l'heure, mais le plus simple serait de faire comme ça. Oh. On a loupé un cadeau dans la zone. Oh, c'est pas grave, je suis obligé d'y revenir.
Bon, après, je vise pas le 100%. Hein. On avance hein, ce soir. Hop là. Je suppose qu'on va avoir un double saut ou un truc dans le genre. Non. Bonsoir Ragnar. Alors, ça schtroumpf ? Oh mon dieu, mais c'est une fausse barbe. Oh là. J'imagine que ça doit faire partie des malbêtes dont on me parlait. Voyons voir. Salut Apophis, ça chompe bien. Je pourrais peut-être lui sauter dessus. Oh, ça je trompe, Wagner, ça je trompe. Allez, c'est parti. Je vais lui montrer de quel bois je me trompe. Et hop. Oh là. Elle a l'air mal en point. C'est peut-être le moment de la soigner. Mais moi je veux ces caisses. Salut Cricri Tatav, je voulais schtroumpfer sur un schtroumpf de Franck, puis je vois un schtroumpf du grand schtroumpf, quel honneur. T'es dans sa schtroumpf ma poule? La soigner, oui, définitivement d'ailleurs. Bon. On dirait un cœur contaminé. Je vais vite le soigner. Schtroumpf costaud, tu me schtroumpf. Je suis ton esprit, Schtroumpf costaud. Tu dois. Arrête tes schtroumpferies, Schtroumpf farceur. Voyons, donne-moi ça. Donne-moi ce blabla Schtroumpf. Hey there, ici le grand Schtroumpf. Tu m'entends, Schtroumpf costaud? Grand Schtroumpf? C'est vous? Oui, je vous entends, mais où êtes-vous? Dans le vaporisage Schtroumpf. Enfin, je vais t'expliquer. Hey there, le Schtroumpf bricoleur a oublié de te schtroumpfer du blabla Schtroumpf. C'est un dispositif qui nous permet de communiquer à distance. Comme ça, on reste en contact et tu peux nous schtroumpfer des informations. Désolé pour la frayeur. Mais tu connais le schtroumpf farceur. Il a voulu te schtroumpfer une petite blague. C'est rien, grand schtroumpf. Je lui schtroumpferai une petite leçon à mon retour. Bonsoir, Jbim, et merci beaucoup. Merci pour ta générosité. Merci beaucoup, en tout cas, pour Amvir, pour Cédric, pour RGK, pour Sozira et pour Nostro. Merci beaucoup pour eux, en tout cas. C'est très gentil. Et j'espère que ça schtroumpfe, ma poule. Et c'est le plus costaud qui fait tout le travail. Bah oui. Sinon il serait pas le costaud quoi. Un peu de mon schtroumpf hein. Et je bim. C'est ça. Alors, ça me donne une petite graine mais je ne sais pas à quoi elles servent. Il ouais, y a un cadeau là-haut mais bon. Ah d'accord, on a un timer là-dessus. Trop tard. J'en ai plus vu d'autres. Ah, ça doit être là-haut, ouais. Ça doit être là-haut. Pour les graines. Bonne nuit, Swamly. Je trompe bien dans ton lit. Oui, bah, je t'ai touché, tant pis. Hein.
sûrement là où j'ai pu rater. Salut Titi, ça je trompe. Merci. C'est pas par là que je veux aller, moi. Moi, c'est là-bas que je veux aller. Où sont les artefacts magiques? Bah justement, c'est les cadeaux du Schtroumpf farceur. Au moins, choper quelques-uns, parce que soi-disant, ça me donne quelque chose, mais... Et merde. Ah, ça me Schtroumpf sur le haricot, hein. Donc il me manque un. Ah. Oh non, je peux pas passer, quelle arnaque. Je trouvais une zone. Elle est d'abord brune, dotée de traits épais, et les schtroumpfs la considèrent comme une congénère énervante, un peu attirante. Le grand schtroumpf fait changer son apparence. Comme quoi, la barbe, ça te va bien. Il y a ce truc là, mais je peux pas y aller. Je les ai pas les 7, j'en ai que 6. J'ai tenté le coup, mais je crois que j'en ai que. J'en ai que 6. Ouais, j'en ai que 6, c'est ça. Alors, je sais pas où je trompe l'autre. Hein. Tant pis, on va recrapahuter. Hein. Le caillou avec des particules. Le caillou avec des particules. Ah putain, bien vu, Freeman. Je l'avais oublié celui-ci. Merci. Toute cette activité sportive, ça me schtroumpf. Alors je vais jouer à Schtroumpf Dormeur. Bonne nuit à tous, ça marche. Schtroumpf bien. Bonsoir, patatomique. Ça schtroumpf ? Oh, ça schtroumpf bien, écoute. Hein. Sinon, est-ce que le jeu est à la hauteur des attentes que nous avons des merveilleux jeux Microïd ? En vrai, c'est pas mal. Je m'attendais à pire. Vraiment à bien pire. On dirait un jeu pour enfants quand même. Oui, mais tu vois, j'ai regardé un peu les évaluations sur Steam et tu n'as pas que des enfants qui ont joué. Ce que je peux comprendre, ça reste rafraîchissant en vrai. Ah, il aime son Karcher, ouais. Mon coup de Karcher, moi, dans le village, moi, j'aime ça.
The Flame in the Wood, excellent jeu également. C'est le moment du bingo. J'espère qu'elle sert à quelque chose les graines, parce que je les totalise. Hein ? Je ne peux pas dire que je sois content de schtroumpfer autant de malbêtes. Mais je vais me faire un plaisir de les soigner avec le vaporisage schtroumpf. Ah merde ! Oh, il y en a certains qui crachouillent, les bâtards. Entendu. Ah. Wow. Et félicitations Drakenstrike, bravo. Bien joué ma poule. Et bonsoir Mister Julien, comment vas-tu? Et merci beaucoup pour Vitry. Alors, en même temps, t'étais là depuis le début, je suis bête. Non, on peut pas crapahuter par là. Tu peux pas t'accrocher. Tu peux rien faire, je vois pas l'intérêt. Ouais, je me suis fait voler, mais... Non, à mon avis, je débloquerai ça plus tard. Allez hop. J'ai hâte que Franck schtroumpfe le 100%. Pas grave Franck, si si. Mais c'est très gentil, merci en tout cas. Ah bah, étirement oui. Oh. Oh. Vers la falaise, un cadeau derrière l'arbre. Derrière l'arbre. Oui oui, mais le problème c'est que je ne sais pas comment y accéder. Il est là mon problème. Parce que si tu veux crapahuter, ça me va, mais j'ai pas de solution en fait. Sympa, la souche géante comme ça. Ah oui. Bon, j'ai pas fait exprès. Toujours très utile. Salut Krampman, ça schtroumpf ? C'était pas convenu. Rien de tel qu'un petit saut pour schtroumpfer qu'on est le meilleur pour faire des bancs. Ah bah, super. On a trouvé d'autres schtroumpfs. Hé les copains, comment ça va? Ah, schtroumpf costaud, tu schtroumpfes bien. On n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il y a?
On était tranquillement en train de schtroumpfer au barrage quand tout à coup, une graine est tombée du ciel. Sur le sol, paf. Elle s'est mise à pousser d'un coup. Fouch. Une plante étrange a soudain éclos. Pop. Et elle a schtroumpfé le schtroumpf paresseux qui dormait dans un coin. Chevan. Pow. Bloc. Whiz. Oui, bon, ça suffit les onomatopées. Oh, la et framette, ensuite, on a pris un bah, coup, on aurait essayé. Au village en quatrième vitesse. Mais on n'a pas pu à cause de la contamination. Bonne nuit Donovan, des gros heureusement bisous. Heureusement que tu es venu nous sauver, Schtroumpf costaud. Oui, et que je peux décontaminer la zone avec le vaporisage Schtroumpf. Bon, je vais appeler le grand Schtroumpf grâce au blabla Schtroumpf. Il viendra vous schtroumpfer en cigogne et vous pourrez rentrer au village. Pendant ce temps, moi je vais aller sauver le Schtroumpf paresseux. Oui, bon, il va attendre un peu, de toute façon il ronque. Intéressant, mais ça ne m'amène nulle part. Si je saute sur cette corniche, ça m'amène nulle part. Ouais. Bon, je suppose que ça me dégage un passage, potentiellement. Bonsoir Cinabre. Alors ça je trouve ma poule. Ça doit être la plante bizarre dont les copains m'ont parlé. Il faut que je schtroumpfe ça rapidement. Ah oui. On va schtroumpfer ça vite fait. Hein. Allô, grand schtroumpf ? J'ai retrouvé les schtroumpfs au barrage. Schtroumpfez la cigogne pour les récupérer. Il manque juste le schtroumpf paresseux. Mais je vais le chercher. Il paraît qu'il est prisonnier d'une étrange plante schtroumpfée du ciel. Schtroumpfée du ciel ? À travers des nuages ? Quel mauvais présage. En fait, c'est une graine qui est schtroumpfée du ciel. Mais ce serait trop long à vous expliquer. Très bien. Tu me schtroumpferas tout ça à ton retour, alors. Par contre, j'aimerais bien que tu me rapportes ça schtroumpfe grave, c'est tant mieux. Cette plante. Je vais en avoir besoin pour l'étudier. Pas de problème, grand schtroumpf. À plus tard. Ouais, c'est là-haut. Hop là. Et hop. Et merde. Enfin, schtroumpf. Hop là. Ouais, voyons voir. Par contre, j'en connais un, il va adorer hein, les schtroumpfs. Hein. Là, il doit être accroché au stream comme un fou furieux. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Qui ça? Bah, Pat. C'est un grand fan des schtroumpfs. Il est où, schtroumpf? Désolé. Ah bah il est là, je trouve, désolé. Ah bah voilà. On l'appelle aussi je trouve galette saucisse, mais bon. Il est pas au courant, je crois. Ah, c'est parce qu'il est désolé de pas être au courant. Te marre pas, je trouve étudiant. On appelle aussi je trouve pauvre, mais bon. Uniquement ceux d'infogramme. Oui, mais parce que t'aimes qui, tu kiffes si souffrir. Mais ça, c'est plutôt le schtroumpf SM qui aime ça. Oh, ça schtroumpf grave. Tu nous caches des choses, Pat. Et donc, je viens juste pour faire un bisou avant d'aller dodo. Coucou, Émilie. Ça schtroumpf? Mon petit schtroumpf caramel? Non, mais j'ai rien dit. Pourquoi je prends une balle perdue, là? Bah, t'es pas schtroumpf SM. Schtroumpf étudiant. Étalon du cul. Viens dire bonjour. Étalon du cul te dit bonjour. Bonne soirée Alia, des gros bisous et je trompe bien. Merci Émilie, merci beaucoup.
toute façon, c'est prouvé scientifiquement. Les Schtroumpfs sont communistes. Je te Schtroumpf, Krampman. Vous avez vu? Aucun risque de ban Twitch. Eh ouais, c'est laissé à la libre interprétation. Tiens, par exemple, je peux dire à quelqu'un, sale fiche de Schtroumpf. Eh ben, ça passe. Voilà. Bon, au final, Freeman, très bien comme recommandation. Emily a une bonne idée avec les Schtroumpfs. Schtroumpf ta Schtroumpf, c'est ça. Ouais, non, mais là je remonte, ça sert à rien. J'aime pas trop ça, moi. Ah, ils sont où les autres? Oh bah... Attention, Schtroumpf costaud! Les malbêtes peuvent te schtroumpfer à tout moment! Même pas peur! Je vais leur montrer de quel bois je me schtroumpf! Ah ouais! Bonsoir Gibraltar, ça schtroumpf mec! Fils de charpentier, j'aurais pas osé perso! Non, j'ai entendu Schtroumpf étudiant, d'où ma question, pourquoi je prends une balle perdue encore? Ah mais non, Schtroumpf étudiant, c'est Julien. Toi t'es Schtroumpf chaton. Et il est où Schtroumpf casse bonbon? Il est parti, je suppose. Et merde, ouf. Agitation m'a donné oh, le petit bâtard. Reste éveillé, la partie ne fait que commencer. Ouais, lui, je peux pas l'atteindre. The Flame in the Wood a regagné. D'accord, ça marche. Schtroumpf de chaleur et vieux Schtroumpf. Oh, la même. J'ai chaud dans mon corps. Tu m'as ramené ici, Coco. Ok. Alors, c'était par là. C'est je trouve maladroit, Donovan. Oui, c'est ça. Attention à ne pas tomber à l'eau, Schtroumpf costaud. Je ne pourrais pas venir te schtroumpfer si tu tombes. Moi, j'ai pas de soin. Tu te débrouilles comme un champion! Quelle énergie! Oh. Je suis de toute évidence le plus costaud des Schtroumpfs. Mais oui, c'est clair. Félicitations, Freeman. Merci, Schtroumpf costaud. Tu m'as sauvé la vie. Sans toi, j'étais bon pour schtroumpfer une sieste éternelle dans cette maudite plante. Ne me remercie pas, schtroumpf paresseux. Je suis là pour ça. Je ne schtroumpfe pas comment c'est arrivé.
Je travaillais au barrage quand soudain j'ai eu un petit coup de schtroumpf. Je suis allée m'allonger sous un arbre et quand je me suis réveillée, j'étais emprisonnée dans cette horrible plante et tous mes copains avaient disparu. Je sais, ils m'ont tout raconté. Une graine est tombée du ciel et a fait schtroumpfer cette plante mystérieuse. Ils se sont enfuis, mais toi, tu as été capturé pendant que tu dormais. En tout cas, là, je suis réveillé. Rentrons vite au village. J'ai hâte de retrouver mon lit pour schtroumpfer une grande sieste réparatrice. Et moi, je vais schtroumpfer un morceau de cette plante au grand schtroumpf pour qu'il l'examine. J'espère qu'il trouvera le moyen de nous en débarrasser définitivement. Bonne nuit, Emily. Je trouve bien. Merci, Gwenalbert. Merci beaucoup, c'est très généreux. Et j'espère que tu vas bien. Dans une déclaration. Cette plante, mes petits schtroumpfs, s'appelle la malfeuille. Elle crache des graines mutantes qu'il faut avoir à l'œil. Ces mauvaises graines vont pousser à toute allure, répandant des maltrapes partout dans la nature. Les maltrapes, c'est bien simple. Il faut les éviter. Elles n'ont qu'un but, un seul, c'est nous emprisonner. Après ces mots terribles, tous posèrent la question. Grand Schtroumpf, dites-nous donc quelle est la solution? Pour détruire la malfeuille, il va falloir schtroumpfer du désherbant. Subtils ingrédients difficiles à trouver. Alors, la liste des ingrédients pour créer l'antidote contre la malfeuille, elle est simple. Attendez que je me rappelle ce qu'a dit le grand Schtroumpf. Ah oui, je les ai notés là, c'est ça. Il y a l'aqua magnifica et des cristaux rosés, et enfin du parfum d'élébore argenté. Heureux, Mephistos. Le grand Schtroumpf est conscient qu'il y aura du danger. Bah non. Des forêts infestées, des lacs à traverser. Ça m'arrive d'être tout calme. Les Schtroumpfs se mettent alors à discuter entre eux. Qui sera assez fou pour faire l'aventureux? J'écoute l'histoire. Dans la cacophonie, un doigt se lève en l'air. C'est le Schtroumpf à lunettes qui se porte volontaire. Schtroumpf à lunettes. J'irai chercher l'aqua magnifica, n'est-ce pas? Chez le Schtroumpf sauvage, tapis au. Merci à toi, Koubiak. Schtroumpf bien et des gros bisous. Il n'y a qu'à traverser une flaque, quoi. Ne sois pas critiqueuse, petit. Tu as un esprit qui schtroumpf mal. Donc je n'ai ni feuille de route, ni plan, ni horaire. Tout cela ne m'a pas l'air très bien organisé, n'est-ce pas? Je vais aller voir le grand schtroumpf pour qu'il m'en dise un peu plus sur cette mission. Oh, bonjour le schtroumpf à lunettes, cool. Ah, salut. Tu vaporises encore? Hop là! Bien le bonjour! Il faut toutes les vaporiser d'un coup. On entend la respiration. Ouais, c'est normal parce que j'arrive pas à respirer par le nez. Parce que comme la barbe est remontée jusqu'en haut, ça bouche la cavité nasale, quoi. Donc j'en suis vraiment désolé. Bonsoir, Mindbuilder. Ça schtroumpf, mec. Alors mes petits schtroumpfs, on va avoir besoin d'un B-52, une cargaison complète de bombes et d'un pilote. Le pilote emmène le B-52, lâche les bombes et transforme la forêt et le village en place de parking. Et le béton? Il y a une faille dans ton plan. Alors je sais pas si ce que je fais a un quelconque intérêt. Bon, j'espère que les graines ont un intérêt parce que franchement... Bah ça va, Mindbuilder. Tranquillou, ça schtroumpf. Et toi? J'avoue que en fait elle est pénible, mon cher monsieur souris. C'est plus rentable. Ah, c'est beaucoup plus judicieux, effectivement.
J'aimerais bien aller là-haut. Oh, salut! Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais rentrer chez toi. Enfin, si c'était possible, bien sûr. Pourtant, c'est un plan validé par le Seal of Imperium. Bon, tant pis. Au revoir, le grand Schtroumpf. Bonjour, grand Schtroumpf. Comme vous le savez, je me suis porté volontaire, n'est-ce pas? Je me préparais à partir, mais il me manque des informations. Ah, oui, bien sûr. Schtroumpf jusqu'aux sources d'Aqua Magnifica, dans le camp du Schtroumpf sauvage. Mais va d'abord voir le Schtroumpf bricoleur dans la clairière. Chez où, Antoine? Il répare le pont suspendu venant au camp de notre cher ami. Très bien, j'ai mémorisé vos informations avec la plus grande attention, grand Schtroumpf. J'espère que le Schtroumpf bricoleur aura terminé le pont. Je ne veux pas attendre trop longtemps. Bien le bonjour. Quel plaisir d'avoir la confiance du grand Schtroumpf. Cela dit, c'est normal. Je suis son bras droit, n'est-ce pas? Et j'ai toujours mené à bien les missions qu'il m'avait confiées. Ouais, mais d'abord, on enlève les mauvaises plantes. J'en vois pas Coucou. D'autres. On se sert la Schtroumpf? Non, tu te la sers tout seul, mon pote. Ah, pour le moment, je suis perdu. Le chemin vers la clairière. Il faut vite que je rejoigne le Schtroumpf bricoleur dans la clairière. J'avais pas fait ce coin-là. Bizarre. Allô? Schtroumpf costaud. Tu me Schtroumpf? Malheureusement, très bien, Schtroumpf à lunettes. Qu'est-ce que tu veux? Il y a une malbête qui se cache dans le sol. Je ne suis pas sûr de pouvoir passer. D'abord, évite ces projectiles. Ce serait dommage qu'elle t'assomme. Oui. Si tu t'approches, elle se cache et ne laisse qu'un bout de tige dépasser du sol. Essaie de lui sauter dessus en schtroumpfant un gros splash. D'accord. Oui. Ah mais attends. Je ne sais pas ce que je viens de récupérer. C'est chouette. Elles sont complètement défoncées les bestioles. Ouais. On va contre les mauvaises herbes. Bon ben... du désherbant. Bon ben voilà. Un jeu de hippie en fait. Totalement ton style, mon cher Pat. Je le sais. De la vie? Bah, tout à l'heure, j'ai eu de la salse pareil, donc... Je pense pas que ça soit de la vie, mais bon. Les Malboules nous ont attaqués. Moi, j'aime pas les Malboules. Non, bah tiens, je trouve grognon. Je vais leur schtroumpfer une bonne leçon. Elles sont parties. Elles ont bloqué le chemin en schtroumpfant un éboulement. Moi, j'aime pas les malboules, ni les passages bloqués. Moi non plus, schtroumpf grognon. Mais peut-être pourrais-tu m'aider à trouver un autre accès? Moi, j'aime pas trouver d'autres accès. D'accord, j'ai compris. Je c'est vais pas me la vie, c'est Azad. En infusion, c'est mieux. Si je prenais de la hauteur, je pourrais avoir assez de force pour casser la structure. Bien le bonjour. On a des trucs intéressants par là. Négatoire. Let's go. Ouh. Hop là. Oh, j'aime pas les malboules. Ouais.
Non, c'est pas de la vie, regarde. C'est foutu un peu partout. Je sais pas trop ce que ça m'apporte. Est-ce qu'on a... Ah, amélioration. Ah. Comment on fait pour le débloquer ? On peut pas ? Tu passes l'aspirateur dans la forêt là ? J'aime bien quand c'est propre. Comment se fait ce que je ne puisse pas améliorer ? Bon, je suppose que c'est après. Attention. Plus ou moins, oui. Raté. Oui, non, mais j'ai tenté. C'est bon. Allô, grand Schtroumpf ? J'ai réussi à ouvrir un passage pour les Schtroumpfs. Ah, très bien, Schtroumpf à lunettes. Tu vas... Attendez, je... C'est ça, belle gars. Je crois que j'ai de la compagnie. Merci à l'anonyme, mon cher Yann. Peut-être il faut passer par le Schtroumpf bricoleur, pas impossible. Je suppose que ça va se débloquer, hein. Ouais, voilà, il y en a 13. Ok. Je trompe les gars. Merci d'avoir ouvert le passage, je trompe la lunette. Je n'ai que je trompe fait la mission qui m'a été confiée par le grand Schtroumpf. Quand le grand Schtroumpf demande quelque chose, il faut toujours. Oui, je sais, je trompe la lunette. Allez, salut. Oui. Attends. Non. Oh, c'était bien essayé. Re mon bon Gavark. Et bravo Gavark, c'est Gavark qui a gagné, mais félicitations. Allô grand Schtroumpf, navré de vous avoir raccroché au Schtroumpf. J'ai eu une visite inattendue, mais j'ai réussi à m'en sortir, comme vous le voyez. Oui, je vois ça. Bon, que voulais-tu me dire ? Tout ce Schtroumpf comme il faut ? Oui, les Schtroumpfs vont pouvoir rentrer au village et je me dirige vers le Schtroumpf bricolaire. Très bien. Je te laisse avancer tranquillement. À plus tard. Oui, bah ça va attendre, hein, j'ai pas fini là. Hein, voilà. D'accord, là on peut pas. Toujours aussi saoulant ce Schtroumpf à lunettes. Oui. Je vous soigne avec mon gaz. Bah écoute, ça a l'air d'être efficace, hein. Bon, pour continuer à avancer, il faut que je rejoigne les hauteurs. Je suis sûr qu'un Schtroumpf flamme serait plus efficace. Ah bah carrément.
Tu prêches un converti, mon cher Malcolm. Il se fait quand même pourrir, c'est ça. C'est vraiment le gameplay à la Mario, même le saut pour défoncer le sol. Après, je vais te dire, ils ont repompé, mais bon, ça reste propre. C'est quand même du repompage propre. Par Monsanto. Que ça passe crème. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je trouve qu'ils ont bien collé au truc, quoi. Que les autres, ou alors il faut que je change de lunettes. Change de lunettes. Et hey, coucou monsieur Jack Play, merci pour le raid, j'espère que tu vas bien ma poule. Oui, mais je trompe flamme, la cible brûle et crie une dizaine de secondes et c'est fini. Là, l'asphyxie puis l'empoisonnement, t'en as des heures de spectacle. Bonsoir Arthur, ça je trompe. Bonsoir Matriel. Comment ça je trompe de votre côté? Le contraste avec Ark. Ah c'est sûr, hein, je suis sur un jeu qui a été finalisé. Allô, il y a quelqu'un? Allô, je trompe pas lunette? C'est moi, le je trompe bêta. Oh non, il ne pourra jamais m'aider. Toujours Jack. Je trompe un cadeau ouvert avec une croix. Toujours. Sur pour le les gold toujours. Un cadeau pour moi? Il y a quoi dedans? Oh, c'est pas gagné. Rien. C'est probablement encore une mauvaise blague du Strumpfverser. D'ailleurs, où est-il? Normalement, on l'entend rire à des kilomètres quand il fait ses blagues. Peut-être qu'il est parti Strumpfer quelque chose à ajouter dans mon cadeau. Oui, oui, Strumpfbeta, c'est ça. Bon, je continue. Il ne doit pas être très loin. Ah, on a d'autres zones. Ok. Ah, on voit ce qu'on a soigné, ce qu'on n'a pas soigné. D'accord. Ah, bien, bien, bien. J'adore la voix du Schtroumpf Beta. J'adore aussi. Mais en vrai, ils ont fait du bon boulot, les mecs, hein. Truc qui s'ouvre. Je suis où là? Ah non 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 non. Je vois le truc. Ah tu vois? De quoi donc? Salut Darko Lolo, ça je trouve. Bah ça je trouve. Ça je trouve bien. Ça marche princesse. Schtroumpf bien. J'espère que la schtroumpfette est bien mobilisée. Oui. Que le jeu est bien. Ah ben j'ai pas dit le contraire. Hein. Alors là je serais hypocrite de te dire le contraire. Pour un jeu à patoune, il fait le boulot. Ah là je serais hypocrite de dire le contraire. Hein. Allons voir ce qui se passe. Et merde. Je pensais que j'étais arrivé. Bonne nuit Dragon Strike, bon chou pour toi.
Putain, cette barbe m'étouffe. Hop là. Ah. Tu as schtroumpfé ton saut. Ah, complètement schtroumpfé. Hein. Aide-moi, schtroumpf à lunettes. Au secours. Schtroumpfe bien, mon cher Gavark. Et merci encore. Contaminé par ici. Et en plus, il y a une maltrape. Il faut que je me dépêche avant que Gargamel n'arrive. Ne t'inquiète pas, Schtroumpf farceur. Je vais te schtroumpfer de là. Voilà, problème réglé. Hop là. Et hop. Hop, hop, hop. Aïe. Ah merde. Vérifions si ça donne de la vie. Ah oui, ça donne de la vie. Ok. Oh, ça loufoque, qu'ils en foutent partout, mais ok. Tu es soigné. Ouais, ouais, tout à fait. J'ai cru que c'était des items juste à récupérer. Un cœur à soigner et la maltrape s'ouvrira. Ah oui, maintenant je comprends mieux pourquoi il t'enfile des points de vie. Du bâtard. Sans toi, Gargamel aurait pu me retrouver. C'est de la jalousie, ça. Oh, je le comprends. Ça aurait eu l'air d'une mauvaise blague. Tu peux m'expliquer comment tu t'es retrouvé dans cette situation? J'ai vu ton cadeau ouvert et la marque sur le sol, là-bas. J'ai voulu faire une blague au schtroumpf bricoleur. J'avais préparé un cadeau qui devait lui tomber dans les mains quand il marcherait sur la croix. Ça n'a pas été facile de le mettre au point, tu peux me croire. Je te crois, schtroumpf farceur. Sauf qu'au moment où j'ai voulu partir me cacher, une malboule a surgi de nulle part et m'a fait sursauter. Du coup, j'ai marché sur la croix, et mon propre cadeau m'a schtroumpfé à la figure. T'es les schtroumpfés qui croyaient schtroumpfés. Je regrette de ne pas avoir vu ça. J'ai paniqué, j'ai couru sans regarder devant moi, et je me suis retrouvé pris dans la maltrape. La prochaine fois, tu réfléchiras à deux fois avant de schtroumpfer les blagues idiotes, oh. N'est-ce pas? Bon allez, rentre au village, je dois continuer ma route. Oh. Parfait. Okay, nous il faut partir par là. Hop là. Et merde. Oh. Magnifique pouf, ouais. En fait le jeu a l'air bon, ça me rend triste. Mais en vrai il retranscrit pas mal l'univers des schtroumpfs, je trouve, c'est pas mal. C'est vrai, Jaco. Moi-même, je suis sceptique. Enfin, je l'étais. Je peux continuer mon chemin. Magnifique plouf. Merci, j'ai bien schtroumpfé dans l'eau. Franck galérer sur un gameplay tragique est une réalisation banque et une réalisation bancale, ça fait partie du plaisir. Mais je suis là, je suis votre humble serviteur, tu le sais bien.
Ah. Intéressant. Hein? J'ai pas fait ce côté. Oh bien. Allons-y. Hop là. Oui, ça c'est pour monter. On verra après. Rien à voir, les gens, mais pensez à bien boire avant la canicule qui arrive. Ah oui, c'est hydraté, c'est la base. Alors, c'est quoi ça? Comment je fais pour le choper, ce truc-là? On est d'accord que sauter, je vais me faire... Je vais me faire schtroumpfer, hein. Ah bah non. Je l'ai eu. Même moi, j'en suis... surpris. Tant que ça te fait moins schtroumpfer du sang que les schtroumpfs sur Mega Drive, le jeu est forcément bon. Ah ouais, non, Pat m'avait dit, oui, faut faire la version avec Activision. Déjà, j'ai du mal à respirer. Si en plus de ça, j'hyperventile, non, c'est pas possible. Salut, Barrel. Non, non, mais Twitch, des fois, déconne un peu. Hein, si tu comptes sur les notifs, c'est mort. Hein. Il vaut mieux suivre les infos sur Twitter ou sur, sur Discord. Ça a l'air d'item pour upgrade. Oui, oui, tout à fait, mais c'est notifié, regarde, dans les améliorations. Attends, ici, tu vois, il faut 12 écorces, 16 cadeaux, 10 champignons bleus, 8 flasques, et là, je suppose que oui, il faut voir le schtroumpf bricoleur pour faire le taf, mais bon. Faire un gros splash sur les champignons et me propulser encore plus haut dans les airs, n'est-ce pas? Bah, on va faire un essai. D'accord. Non, non, je veux pas y aller, moi, je veux faire le tour. Bonne nuit, Jaco. Je trompe bien et des gros bisous à tes schtroumpfettes. Ah, j'étais hésitant. Voilà. Super. Je me disais bien. Ça vaut pas une icône princesse, ou dites-vous. Bonsoir René, j'espère que tu schtroumpfes bien. Il a l'air clean, je suis déception. Oh bah pour une fois que je me mets pas en souffrance, non, très bien. Hein. Non, non, moi très content. Hein. Là je vais revenir en arrière. Ça schtroumpf et toi? Oh, ça schtroumpf tranquille. Eh ben, bien mon schtroumpf de revenir sur mes pas. Il n'y a plus de radeau au ponton. C'est un code? Comme les carottes sont cuites? Non, ce n'est pas un code. Notre radeau a disparu. Le schtroumpf bricoleur a dû le prendre pour traverser la rivière. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Ne t'inquiète pas, schtroumpfette. Je vais schtroumpfer un autre moyen de traverser. Pas plus tard. Les schtroumpfs, schtroumpfs partout. Par contre, ce jeu de plateforme 3D, il y a toujours le problème de bien caler la caméra pour voir où on atterrit. Ah oui, c'est ça en fait. Ça nous ressemble pas. Oui, oui, t'inquiète. Pat, tu m'avais dit. Pourquoi pas, tu sais, la version. Alors,
Non. Non. Eh, je me suis peinturluré le visage, mis une barbe pénible et une gaffette rouge. Vous êtes gâtés. Faut croire qu'on aime tous les schtroumpfs. Oh, c'est emblématique les schtroumpfs, Sourine. Alors. Et ça c'est pour revenir en arrière, je suppose. Voilà, mais c'est bien d'avoir le passage pour le au cas où. Et je fais Franck Schtroumpf tellement bien. Merci. Oh. Du haut de mon honorable schtroumpf, quand même. Ah. Ah. Petit bâtard. Je revenais en arrière, moi. Ah. Ça marche, Arthur. Je trompe bien. La panthère rose, maintenant. Ah bah, vous verrez, hein. Pour les 10 000, qu'est-ce qu'on avait dit? Ne vous inquiétez pas, les modérateurs ont retenu. On va voir s'ils ont retenu, d'ailleurs. D'un petit schponk. Oh, retiens tes propos, schtroumpf blagueur. Ah, forcément, je me suis coincé. D'où se met ta poudre ? Adibou déguisé en fée. Voilà, vous voyez, les infos non essentielles, il les retient. Je le veux, ce morceau d'écorce. Oh putain, tu m'as fait pop ici. Petit bâtard. M'en fous, j'y retourne. Non. Oh putain. Bonne nuit Yann, des gros bisous. Et je trompe bien mon garçon pour la journée. J'avoue que pour la caméra... c'est un peu l'emmerde. Alors, je vais peut-être essayer de trouver une caisse. Je crois que j'en ai laissé traîner en plus. Négatoire, j'en ai pas laissé traîner. Oh. Forcément mal me connaître. Hein. Ah, je savais bien. Comment ça, non essentiel? C'est une information capitale. Alors, elle est pas capitale, je suis confuse de le dire, mais non. Bon, je fais une dernière tentative, après j'avance. Hein. T'as schtroumpfé, Franck. Ah oui. Oh, j'ai schtroumpfé tellement de fois, Sourine. On parle de la même chose. Nom de schtroumpf. Ouais, je suis où là? Bon, dernière tentative. T'as, comme je vois pas où j'atterris à chaque fois. Ah ben voilà. Merci mon schtroumpf. Allez, youpla. Et bonsoir le bois d'acier, merci beaucoup pour le raid et j'espère que tu vas bien ainsi que tes viewers.
En effet, ça passe. Plus je trompe de bordel de je trompe. Tu vois, je t'avais dit que ça passerait. Salut Zoug, comment vas-tu? Let's go. Allô les amis, je viens de trouver les restes du radeau. Le reste? Il a été mangé? Non, détruit. Il n'y a plus que des débris éparpillés dans l'eau. Tu penses pouvoir les re-schtroumpfer? Non, je n'ai pas de colle ni de pouvoir magique. Et surtout, je ne suis pas le schtroumpf bricoleur. À ce propos, il est où celui-là? Je parie qu'il est tombé dans le... Ah, Garchon, comment vas-tu? Je ne le vois nulle part. Il a dû continuer son chemin. Ah, attends, schtroumpfe-moi. Quoi de neuf? Ça fait un moment que je n'avais pas lu. Cuisinier. Oui, schtroumpf à lunettes. Tu ne vois rien d'autre? Si. Un peu je trompe, mais ça je trouve tranquille. Tant mieux, si ça je trompe tranquille, c'est essentiel. Il y a des planches aussi. Avec un peu d'imagination, tu pourrais peut-être t'en servir pour passer la rivière. Eh bah tant mieux. Réfléchis. Tant mieux, tant mieux. Bon, il manque un marteau dans... Bonne nuit, je trompe étudiant. Eh, salut Fav, comment vas-tu? Comment ça je trompe? Cherche ton bricoleur, libère le marteau. Ok, ok, ok. Ben on va le chercher, je trouve bricoleur. Oh, ils sont recontaminés presque aussitôt. Je pourrais tromper un gros splash de très haut. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps de se recontaminer. Un gros splash? D'accord. Ouais, c'est les soins. D'accord. Ah, yes. Et voilà le travail, je peux passer maintenant. Tiens, t'as pas réagi quand j'ai appelé, je l'ai appelé Garchon plusieurs fois? Ah, tu t'adresses à Sorin, d'accord. Encore dans un bon délire? Oui, c'est ça. Bon, après, tu sais, j'ai des soucis psychologiques, hein. Mais sinon, ça va, hein. Voilà. Ouais, moi, ce que je veux, c'est les trucs à récup. Il a déjà pu schtroumpfer la schtroumpfette. Qui schtroumpfe à lunettes? Non, schtroumpf costaud, oui. Ah ah. Ça, ça pète. On va essayer d'atteindre le haut. Il y a moyen. Non, pas par là. Parce que c'est par là que je suis venu. Donc c'est cuit. Et par là, je peux pas crapahuter. Même avec la meilleure volonté du monde. Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Bon, je sais pas si ça marchera, mais on va voir. C'est ça, mon cher Garchon. La clim doit marcher à fond avec ça sur la tête. Ah oui, je te confirme qu'elle tourne à pleine balle. Pas assez haut. Ok. Oh, j'ai tenté. Super. Oh, pas besoin de points de vie. Oh. Il a commencé avec costaud, ouais. Du fait que je trompe à lunettes, pas de je trompe différent, ça pourrait être sympa avec des compétences différentes. Ah, si. Mais comme le disait Nomad, j'ai commencé avec je trompe costaud, c'est pour ça. Oui, j'ai vu. On va essayer de crapahuter par là. Mais en vrai, vous allez vous moquer de moi, mais j'aime bien. Je trouve ça récréatif. Allô, grand Schtroumpf. J'ai retrouvé un Schtroumpf emprisonné dans une maltrape. C'est terrible. Il faut vite que tu le libères. Gargamel pourrait arriver à n'importe quel moment pour le capturer.
Je vois quelques cœurs de la maltrape à soigner. Je vais m'en occuper grâce au vaporisage Schtroumpf. Bon courage, je compte sur toi. Oh, vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi, Grand Schtroumpf, n'est-ce pas, Grand Schtroumpf? Allô? Bien, on a 11 ennemis. On va raccrocher, on dirait. Voilà, ça en fait un de moins. Hop là. Ouais, je trouve ça mignon, en fait. Mignon et sympathique, je trouve que... C'est l'univers, quoi. Ça colle à l'univers, ça me paraît pas loufoque. Ah oui, ça marche bien aussi là-dessus. Calme. Ah, celle-là est là-haut. Ah, on peut pas les assommer eux. Fort bien. Salut Floffy, ça je trompe. Ah, le bingo, c'est le moment de gagner. Merde, j'ai pas eu le temps de voir le jeu qui est à remporter. Merci Garchaud pour le follow. Félicitations Sourine. Alors par contre j'ai pas le temps de regarder qu'est-ce qu'elle a gagné Sourine. Merci Schtroumpf à lunettes, tu m'as schtroumpfé la vie. Comment t'es-tu retrouvé dans cette situation? Une maltrape nous a attaqué dans la clairière. Excellent narratif aussi. Le bricoleur s'est interposé et je me suis enfui. Tout ça pour me faire capturer ici juste après. C'est pas de chance. Et le Schtroumpf bricoleur? Je ne sais pas, j'ai couru sans me retourner. En tout cas, je ne l'ai pas revu. Eh ben, c'est du propre. Le grand Schtroumpf dit toujours qu'il ne faut pas abandonner ses camarades, n'est-ce pas? Allez, rentre au village. Je dois partir à la recherche du Schtroumpf bricoleur. Emprunte le passage pour la clairière, d'accord. Ça rapporte de Schtroumpfé. Schtroumpfeuse. Allô les amis, vous me schtroumpfez? Ici le Schtroumpf costaud. Tu appelles parce que tu t'es cassé la Schtroumpf. Pas du tout, quelle mauvaise langue. Je le dirai au grand Schtroumpf. J'appelle pour schtroumpfer que j'ai sauvé l'un des nôtres. Vous pouvez être fiers de moi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le Schtroumpf bricoleur a été schtroumpfé par une maltrape. Mince alors. Il faut que tu le sauves avant que Gargamel ne le trouve. Ne vous inquiétez pas, je pars de suite à sa recherche. Et dites au grand Schtroumpf que je schtroumpfe bien ma mission, n'est-ce pas? Oui, oui, on lui dira. On va essayer de gagner du temps. Non, c'est le saut que j'ai foiré. Premier mondial sur un jeu. Encore? Waouh. That is incredible.
Oh merde, je l'ai raté celui qui était au fond. Merde. À cette distance, on ne touche pas ? Hop là ! Oh non ! C'était fourbe. Bonne nuit à Popis, chombe bien. Ah carrément, Floffy, carrément. Je crève de chaud. C'est pour ça que je fais tourner la climat à fond de balle. Ah parfait, ça m'ouvre de l'autre côté, mais je vais quand même faire le grand tour. Parce qu'on peut, on sait jamais ce qu'on va se tromper. Bon, il y a des mal machin. Oh, tu te calmes. Calme-toi. Chut. Et hop, c'est rentré comme grand schtroumpf dans... Chut, tu schtroumpfes faux. Ah, super, on a... Ouais, non, mais je sais pas où ils sont, donc... Pour le moment, on va les repérer. Alors, il y en a deux ici. Ouais, vu qu'on m'avait donné du temps. Ouais, il y a rien à porter. Non, il y a rien à porter pour moi. On va quand même faire tout le bas. Ce que j'aime bien chez toi, Franck, tu fais des jeux, d'autres ne font pas, alors que les autres font 36 fois les mêmes jeux. Oui, enfin, la semaine prochaine, vous allez vous taper quand même du Starship Troopers. Alors, comme je ne peux pas affecter une tenue, parce que, ben, déjà, oui, j'ai trouvé une tenue où on peut s'habiller en infanterie mobile, mais j'ai vu le prix et j'ai fait un micro AVC. Vrai, hein. Bah, du coup, vous aurez le droit à un t-shirt infanterie mobile. Et il est beau, en plus. Il était pas donné par contre. Oh quoique. Non ça reste. Oui non ça reste correct, on est dans l'ordre de prix. Ah qui me chauffe sur le haricot, je peux pas passer par là. Denise Richard, Franck. Surtout sur un jeu de stratégie. Non non. Tiens, c'est quoi cette chose là-bas? Ce n'était pas là avant? Fais-toi un déguisement arachnide en carton. Tu rigoles, j'en ai trouvé. Des déguisements d'arachnide. Enfin, c'est... Un, c'est cher. Et deux, c'est... Vraiment, c'est moche. Mais alors, quand je te dis c'est moche, je suis en deçà des propos. Je pense que même mon fils fait mieux. Alors, c'est ce que j'ai... oui, non, ça, j'ai... Alors, c'est bien ce que... Tu vas faire du Starship Troopers. Ah, je suis sûr que la planète Twitch va se jeter dessus demain. Mais moi j'ai envie de le faire, donc voilà, voilà. Oh. Ah, maintenant on va schtroumpfer cela. Bonne nuit matriel, je trompe bien. C'est pas récent en plus Starship. Enfin les films. Oui, mais même le jeu. Même le jeu n'est pas si récent qu'on l'imagine. Hein. Tu as eu une version PC, je crois, dans les années. Fin des années 90. Que beaucoup de gens ont occulté, vois-tu. Et en vrai, il était pas simple dans le sens où tu devais vraiment garder ta squad vivante. Parce que c'est ça où t'es bloqué et tu peux plus avancer, quoi. Tellement c'était difficile. Mais vraiment, hein, c'est... on va pas se mentir. Côté, comment dire... Alors attends, déjà... Voilà. Salut H2L29. Ça schtroumpfe ? Mais il était pas ouf. Ah oui, oui, il y a eu un FPS aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi. Wouhou.
Génial. Donc on peut redescendre. Parfait. Je crois que j'ai les 7, mais on va le tenter. Par contre, va les retrouver maintenant, toi. Alors, un ici. Un ici. Un ici. Ouais, j'ai perdu du temps. À mon avis, c'est mort. Et l'autre est ici. Et voilà. Et on l'a. Bonne soirée, Monsieur Souris, et je trouve bien. Et super ton costume de Karl Marx, France. Merci. Vous le mettrez au goulag dans le village. Parce que je trouve fait un plat de salse pareil. Oh. Hop. Ah. Hop là. Oh, c'est quoi ça? Hop là. Ah, je peux rien faire dessus. Je peux pas la vaporiser. Bon. Youpi. Cassos. Ouais, là où je peux pas y aller. Hein. J'ai pas vu de passage. Peut-être en allant un peu plus loin. Vu comment le jeu te donne les items, les upgrades s'en approchent. Ouais, je pense aussi. Après, pour quelqu'un qui a vraiment envie de le faire à 100%, je pense que chercher les items, tu vois, ça facilite vraiment ton aventure, mais bon. Je pense que le jeu est fait vraiment pour le plateforme et se détendre. Hein. C'est pas... Je m'attends pas à un truc stratosphérique non plus, mais bon. Bonne nuit, le bois d'acier, je trouve bien également. Désolé. Pénible. Oh non, le pont suspendu est encore cassé. Le Schtroumpf bricoleur va encore aller. Tu manges du poil, Franck? Ouais, elle est pas terrible cette barbe en fait. Continuer à le chercher. Mais vraiment. Elle est pas top. Mmh. Ouais, je vois rien de spécial. On va le garder. Je t'en prie, Joey, des gros bisous et repose-toi bien. Il sera réutilisé sur si tu fais un cosplay de Gandalf le vieux. Ah non. Non, si je dois faire un truc sur Gandalf, non, je prendrai un truc un peu plus. Allô les amis. Enfin, je ferai attention à la marque que je prends. Un gros baril. Ici le Schtroumpf cuisinier. Un gros baril, c'est-à-dire Un gros tonneau humain. Il y a un rouleau pâtissier et une cuillère dessinée dessus. C'est l'emblème du château Marmite, une grande école de cuisiniers. Eh bien, il vient sans doute de là-bas. C'est bizarre. On dirait que les humains ont cueilli de la salse pareille. Tu penses qu'ils en schtroumpfent? Mais non, on sait tous qu'ils détestent ça. Bon, je te laisse, on schtroumpfera ce mystère plus tard. Je dois d'abord retrouver le schtroumpf bricoleur. Quel chemin schtroumpfé? Réfléchissons. Si le schtroumpf bricoleur est enfermé dans une malle-trappe, il doit être dans un endroit schtroumpfement contaminé. Ouais, il faut partir plus haut. Le tonneau, c'est pas anodin. Je pense qu'il sert à quelque chose, mais alors à quoi? Ça, c'est des points de vie.
Un sage pareil qui en fait est un poison. Oui, mais pas pour les schtroumpfs. Ah voilà, il faut partir vers les hauteurs. Bah ouais, je m'en doutais. Et hop, hop là. Oui. Hop là. Je pense que les schtroumpfs la fument. T'inquiète. Bon sang, mais c'est bien, schtroumpf. Tu sais pas ce qu'on fait de nos samedis soirs, nous, les schtroumpfs. Heureux, mon cher Freeman. Non, la Schtroumpf, des maltiges. J'ai pas intérêt à me retrouver dessous lorsqu'elle frappe le sol, n'est-ce pas? J'ai pas envie de me faire schtroumpfer comme une mouche. En plus, on dirait que je ne peux pas les soigner. Salut Funky, ça schtroumpf ? Ah merci, c'est pas trop tôt. J'ai bien cru que j'allais schtroumpfer ici pour l'éternité. Dépêche-toi, j'en peux plus d'être là-dedans. En plus, il y a plein d'horribles malbêtes partout. Ne t'inquiète pas, grâce au vaporisage schtroumpf, elles seront bientôt disparues. Oui, mais il faut d'abord que tu soignes les cœurs contaminés de cette satanée maltrape. D'après le grand schtroumpf, ça va l'affaiblir. Et comme ça, elle finira par me libérer. Pourquoi schtroumpf bricoleur ? Les malbêtes sont schtroumpfées un peu partout dans la zone. Je vais te guider. Ça schtroumpf très bien. D'accord, même. J'arrive, schtroumpf bricoleur. Attention aux maltiges. Si elles t'écrasent, tu finiras tout écrabouillé. Ah oui, c'est vrai, eux je peux pas les assommer. Ah, on peut rien faire, ça. Ah, ça repoppe. D'accord, ils ont un truc qui spawn. Saute sur le champignon du fond, schtroumpf à lunettes. Comme ça, tu pourras schtroumpfer le cœur à soigner. Alors, enfin, moi, ce qui m'intéresse... Ah, mais ça sert à rien, en fait. Je suis en train de faire le tour et ça repourrit. Ok. Bon, bah, let's go, hein. On va aller jusqu'au bout, y a rien, d'accord. Je peux plus t'aider. Alors tais-toi, n'est-ce pas? Mais schtroumpf, on va en boîte le week-end et on chante. C'est le monde à l'envers. Coucou Brian, ça schtroumpf? Schtroumpf sur le champignon, il te dit. Oui, je vais schtroumpfer sur le champignon. Ouais, deux minutes, je schtroumpf plus comme à 20 ans, hein, Sorine. Tu le sais aussi bien que moi, hein. Bon, je schtroumpf différemment, quoi, c'est tout. Oh, c'est quoi ça? D'accord, ça pétouille.
lorsque tu t'en approches. D'accord. D'accord. Ok, je vois pas trop où ça m'amène, mais ok. Et voire même, ça ne m'arrange pas. Parce que je ne peux pas monter. Ah oui, à un autre âge, les raiders se déplacent, Franck. Bah, oui, bien sûr, elles se déplacent, et puis bon... voilà, je veux dire, il faut être juste dans son schtroumpfage. Voilà, c'est tout. Tu peux pas schtroumpfer comme ça, H24. Plus jeune, bon, bah je le faisais, mais voilà, bon, bah... Moi, je trompe plus de la même manière, c'est sûr. Voilà, faut savoir être juste, hein, c'est surtout ça, Sourine. Trêve. Voilà. Remonter. Oula. Ça y est, je te vois à nouveau. Je trompe tout droit. Le cœur contaminé est juste là. Non, 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 je visite. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Les jeunes schtroumpfs ne peuvent pas comprendre. Oh, ils apprendront, Sourine, comme tout le monde. Tu verras quand ils entendront notre grand schtroumpf. Ah. Ils vont découvrir les schtroumpferies dans leur corps. Alors... Ah, la saloperie. Eh ouais, je l'ai pris en pleine gueule. Ah. Que je trouve à lunettes. Non, au tout début on a joué je trouve costaud. Contaminé. Je dois vite trouver un moyen de le soigner. J'avoue que j'aurais bien tenté le saut là-haut. Ah bah, mais bon. Ouais, bah vous savez quoi, on va sauter. On va tenter. Pense au pistil. Avant, je pouvais sauter les escaliers au moins 4 marches. Je fais ça aujourd'hui, mes jambes se brisent. Oh. Bon, moi, tu peux me récupérer la petite cuillère, il n'y a pas de problème. Ah, raté. Raté. Yes. Oh là, attention, ces choses sont dangereuses. N'ai pas intérêt à trop m'en approcher, sinon ça va piquer.
Ah, ça je confirme. Oh. Bon, ça s'est bien passé. Imaginez un Smash Bros avec les schtroumpfs. La musique est pas mal rythmée, pas prise de tête. Non, je trouve que c'est bien, franchement, en vrai. Non, je suis surpris, je m'attendais à un truc piégeux de la part de Freeman, mais en fait, pas du tout. Fini avec une commotion. Ah, me parle pas de commotion. Pour soigner le cœur contaminé, c'est tout droit. Tu ne peux pas te schtroumpfer. Ah bah je vois, en même temps qui a proposé Rock Simulator Freeman Une freemanerie quoi, je me disais bien qu'il allait réagir. Bon ok, j'ai proposé Rock Simulator, merci, tu vois. Schtroumpf à lunettes, tu as schtroumpfé un courage que je ne te connaissais pas. Et tu n'es pas au bout de tes surprises, le grand schtroumpf serait fier de moi, j'en suis sûr. Je devais te retrouver près du pont qui mène chez le schtroumpf sauvage. Oui, avant que cette maltrape me capture. C'est un fait, comme tu as pu le voir, je n'ai pas pu réparer le pont. Il y avait trop de contamination. En plus, j'ai perdu la moitié de mes outils en chemin. Oui, j'ai vu. Mais j'ai quand même retrouvé ton marteau. Par contre, je dois traverser la rivière pour aller chez le schtroumpf sauvage. Et je ne sais pas comment. Oui, je comprends. Deux petites secondes, laisse-moi réfléchir. Même sans tout mon attirail, je peux te bricoler quelque chose. Donne-moi mon marteau, je vais schtroumpfer quelques réglages. Tu es sûr de toi? Je ne suis pas très rassuré, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je schtroumpf. Et voilà le travail. J'ai l'honneur de te présenter en avant-première le schtroumpf au planeur. Tu pourras planer dans les airs et schtroumpfer tous les défis qui se présentent. Ah. Il te suffira de propulser du soin dès que tu en auras besoin. Je ne suis pas très rassuré par cette fonctionnalité. Allons, tu me connais. Mes inventions, je trouve toujours à merveille. Aucun souci. Je n'irai pas ça, n'est-ce pas? Mais je veux bien tester. Allez, à très vite. Je vais schtroumpfer nos amis pour qu'ils viennent te chercher. C'est un jeu, il y a des skins. Ah, je peux planer. Ouais. Allô les amis, ici le schtroumpf à lunettes. J'ai de bonnes nouvelles. Attends. Ah, des bonnes nouvelles. Tu es sûr? Oui, j'ai nettoyé toute la zone et j'ai délivré le schtroumpf bricoleur. Envoyez vite la cigogne pour le récupérer. Ça m'ennuie de te dire ça, schtroumpf à lunettes, mais bravo. Et ce n'est pas tout. Grâce au schtroumpf bricoleur, je peux maintenant planer. Je vais schtroumpfer tout le village, que ça plane pour toi. A plus. Oh. Youpi, je vole. On parle de moi, hein. Ouais, on parle vraiment de moi. C'est schtroumpfement bon, ça. Bien entendu, je troll. Oui, oui. Et je plane un peu plus près des étoiles. Ouais, bah t'as failli t'écraser. Intéressant. Oui, ça me met là-bas, mais après, je vais où? Bon. Allons-y.
Oui, je suppose que c'est le combo grand saut. Voilà. Merci Marc, Railway Empire, offert par Emily. Donc merci beaucoup à Emily. Très bon jeu de gestion. Bonsoir impatient, comment vas-tu? Eh ben tu arrives au bon moment, au moment du bingo. En planant au-dessus du pont cassé. Youpi! Ouais, non, ça pue, hein. Ah. Qu'est-ce que c'est, ça? Je sens pas de planer au-dessus du pont cassé quand même. Oh, j'adore planer. J'adore. Quelle sensation, Schtroumpf. Oh, nice. Félicitations, Krampman, tu vas te régaler. En plus, c'est vraiment le style que t'apprécies. Oui, une référence à Toy Story. Hein. Mais au cas où. Attends. Pourquoi tu m'amènes ici? Il y a un champ pipi ici, ça m'intéresse très fortement. J'aimerais comprendre pourquoi il est là. Ouais. Ouais, ok. Oui. Vivement que je retrouve le Schtroumpf sauvage. Il sera fou de joie de me revoir, moi, son mentor. Je lui ai un peu tout appris, cela dit, sans me vanter, n'est-ce pas? Bon. Allez, on va reprendre les hauteurs. Toujours pas d'upgrade? Ben écoute, toujours pas, regarde. Ouais, il faut voir avec le Schtroumpf bricoleur, je pense. Hein. Raté. Ça m'intéresse. Bonsoir Isidore, ça je trompe. Super.
Le camp du Schtroumpf sauvage. Me voilà enfin sur le territoire du Schtroumpf sauvage. C'est beau, mais sauvage, comme lui. Restons sur nos gardes. Comme dit toujours le grand Schtroumpf, un Schtroumpf averti en vaut deux. Aventure. Qu'est-ce que c'est que ce Schtroumpf? Le Schtroumpf sauvage aurait-il réussi à construire quelque chose? Et merde. Aïe. Oh l'enfoiré. Salut Jade. Comment vas-tu? Et bienvenue. Ok, il a sauté tout seul. J'ai rien fait. Ce serait sûrement le Schtroumpf informatique Schtroumpf, un mélange de Schtroumpf grognon et de Schtroumpf bricoleur. Oui, certes, mon cher Kampmann. Ah, t'es le même qu'hier. C'est nul comme pseudo. Faut que ça soit plus emblématique. Bouge pas. Tu peux en profiter aussi pour m'insulter. Alors. Voilà. Alors, monsieur le juge, les 693 derniers, ok, je les ai tués, mais celui-là, il s'est jeté dans le vide, je vous jure. Oh mais non, Freeman et Mark, en fait c'est le même qu'hier, c'est simplement qu'il a changé encore une fois de pseudo. Voilà, c'est tout. Vous n'allez pas être désolés les enfants. Hein. Oh là là. Ouf. J'ai failli tomber. Non, c'est bon. Ouf. Schtroumpf lunette, toi venir. Ouf. Moi content voir toi. Moi aussi, bonne nuit Nomade, des gros bisous. Le grand Schtroumpf dit toujours, un ami est un bien précieux qu'il faut savoir schtroumpfer. Schtroumpf lunette, pas changé. Toujours parler pour rien. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Tu as toujours ce phrasé si particulier. Si, moi changé, moi inquiet. Contamination partout. Hop hop. Ne t'inquiète pas, Schtroumpf sauvage. Le grand Schtroumpf a trouvé une solution. D'ailleurs, il faut que je récupère ici un ingrédient pour soigner la contamination. L'Aqua Magnifica. Aqua Magnifica, là-bas. Tout au bout, parcours branche. Hop, hop. Toi, faire parcours, ça défie pour toi. Oh. Un défi? Eh bien, d'accord. Je Schtroumpf ton défi. Il ne sera pas dit que j'ai reculé devant l'obstacle. Salut Copernic, comment vas-tu? Fier de moi. C'est gentil. Je vais voir un coup, mais je vais d'abord faire comme ça, tu vois, et je vais refaire le plein de mon boc. Parce qu'en vrai, la barbe est une véritable pénibilité, mon cher Copernic. Et comment ça se trouve, mon pote? On a ban quelqu'un hier, je tire sûrement sur du monde que je tiens plus le compte. Oui, mais dans le même style, j'ai quelque chose, et effectivement, tout le monde s'est creusé à la tête parce que le pseudo est naze.
Le mec arrive, il parle de sa coloscopie, avec un pseudo tout pourri. Bon, t'as compris. C'est quelqu'un qui a envie de perdre du temps. La barbe, ça schtroumpf ment bien. Je trouve que les schtroumpfs ne parlent pas assez schtroumpf. Schtroumpf vert ou vert schtroumpf? Qui est venu avant? L'œuf du schtroumpf ou le schtroumpf de l'œuf? Alors, je suis désolé, je suis obligé de soulever pour boire, parce que c'est véritablement une catastrophe. Oh. Ah, quelle purge! Pouf! C'est dégoûtant. Alors, pourquoi tu m'as donné ça, Coco? Ouais, ça va me donner un peu de hauteur, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Ouais, je pense. Et merde! Tiens, encore du nouveau. Vu sa forme, j'imagine que je pourrais rebondir dessus. Ah, il fallait le voir. Est-il un schtroumpf à... Oh, je suppose, parce qu'il a le béguin quand même pour la schtroumpfette. Alors là, par contre, ça va être un peu chiant. Bon, on peut rien faire avec ça. D'accord, bon bah on poursuit hein. Pas facile ce parcours. Pas fâché d'avoir pompé l'autre côté. Ouf, petit bâtard. Ouais, explosion. Grave, il l'a vu la schtroumpfette, ouais. Il y a Gargamel in-game? Bah on en parle, alors je vais supposer que quand t'avances dans le jeu, oui il doit y être. Le seul qui pourrait te répondre c'est Freeman à la limite. C'est chaud quand même quand tu y penses, la seule femme du village. Je te rappelle que la chompette elle a été créée magiquement quand même. Déjà que ce parcours n'est pas évident, si en plus il n'est pas terminé, j'ai pas fini le jeu. Planer jusqu'à l'autre bout. Franchement, mais qu'est-ce qui lui est schtroumpfé par la tête? Les autres schtroumpfs n'y arriveront jamais sans vaporisage schtroumpf. Je vais le dire au grand schtroumpf. Oui, alors connaissant mon aptitude. Et merde! Oh, j'ai relâché. Bienvenue, Schtroumpf Lunette. Plus loin, zone de miam miam. Une zone de miam miam? Bon, si tu m'expliquais à quoi rime tout ce parcours. Moi, faire parcours accrobranche pour Schtroumpf. Tous venir s'amuser ici. Zone de miam miam pour reposer, manger et boire jus salse pareil. Tu as schtroumpfé tout ça pour nous? C'est gentil, Schtroumpf sauvage, mais. Mais contamination partout! Parcours pas fini à cause contamination! Oui, j'ai vu ça. Il y a de grands trous dans ton parcours. Toi, continuez parcours. Pas schtroumpfé de temps. Ingrédient au bout. Hoc, hoc. D'accord, schtroumpfé sauvage. Je continue. Allô, grand schtroumpf, vous m'entendez? Pas très bien. La réception est mauvaise. Ça doit être à cause des arbres. Tu as schtroumpfé le schtroumpf sauvage? Oui, il m'a demandé de faire un parcours dans les branches. Oh, le basse-cour dans les tranches? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, dans les branches. Je dois aller jusqu'au bout du parcours pour schtroumpfer l'Aqua Magnifica. Je ne comprends rien à ces histoires de bronches. Tu n'es pas malade au moins? Non, non, grand schtroumpf, tout va bien. Bon, je vous laisse. J'ai un défi à relever. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça m'intéresse.
Alors je trouve pas que ça soit un mauvais jeu, au contraire même. Je trouve qu'il est récréatif, franchement. Oui, j'ai fini de bosser avant minuit, je suis de bonne humeur ce soir. Ah, yes! Que du positif! Génial! Ouais, mais moi je voulais aller de l'autre côté aussi. Parce qu'il y a des trucs à récup. Les caméras sont pas reloues et c'est fluide. Oui, oui, comparativement à beaucoup, effectivement, c'est très propre. Vraiment, ce que je disais tout à l'heure, j'ai été surpris. Ah oui, d'accord, faut soigner le tronc. C'est où que ça pousse? Le problème, c'est que je vois pas où ça pousse. J'avais pas vu en haut. C'est chiant. Ah bah mes aïeux. Super. Je la voulais, hein. Ok. Histoire de cigogne, même si la réalité doit être autre chose. Par contre, j'aimerais qu'on m'explique comment ils se sont reproduits, les autres. Tu poses trop de questions. Et merde. Oh putain. Oh non. Oh. Tu crois? Petit bâtard. Hop là. Attends, je vais pas m'emmerder en vrai. Et voilà. Pas chercher trop loin. Oh non, vous abusez. Il m'en manque un.
Mais je sais pas où il est. Ah, mais il est tombé. Pourquoi je m'emmerde? J'ai qu'à couper. Voilà. Ah oui, le coup de la cigogne, bien sûr. Attends, qu'est-ce que ça m'amène? Ouais. Super. Ouais. Mais merde. La barbe du grand Schtroumpf, espérons que j'ai assez de réserve pour planer jusqu'à l'autre bout. Ce n'est pas le moment que le vaporisage Schtroumpf me lâche. Trop tard. Ouf. Ok. Faire le plus grand. Et voilà, problème réglé. Lune bleue, le truc vendu par BFM TV comme étant un événement astronomique majeur. Faut aimer la patoune quand même pour ce jeu. Ah oui, clairement. Vous connaissez les cigognes, c'est ça. Eh merde. Aïe. Et merde. Oh, j'aurais dû pousser à fond, je suis con. Oh bah non, bah, oh, j'y étais, oh... Ouais, c'est ça. Non. Non. Aïe. Ah oui, dès qu'on relâche, c'est foutu, d'accord. C'est ça? Ça a l'air franchement dur. Bah, c'est-à-dire que comme j'ai pas l'habitude de ce type de caméra, enfin les jeux à patoune en règle générale, hein, de toute façon. Non, non, pivote. Oh putain. Ah, quand il est pas pivoté, c'est l'enfer. Tout à fait, Renza. Grimoire Grand Schtroumpf raconte des histoires pour donner envie. Moi, toujours Schtroumpf et Bain dans Aqua Magnifica. Oh, oh.
En tout cas, merci. Grâce à toi, j'ai trouvé le premier ingrédient qui va schtroumpfer la contamination. Toi, revenir avec Ami pour faire parcours et voir juste un seul pareil. Promis. Dès que nous aurons schtroumpfé la contamination, nous reviendrons tous te voir. Mais il faut que tu améliores ton parcours. Pour l'instant, il est beaucoup trop dangereux. Et tu sais que le grand schtroumpf ne schtroumpfe pas avec la sécurité. Moi, sécuriser parcours et Ami tous venir plus tard. Hoc, hoc. C'est ça. Allez, à bientôt, schtroumpf sauvage. Allez, à plus, le sauvage. Retournons au village où pointe la panique. Certains parlent d'annuler tous les prochains pique-niques. En voyant la malfeuille semée au c'est pas impossible, Mephisto, les schtroumpfs, prévoyants, se sont barricadés. Mais le schtroumpf bêta, seul, est parti en balade, errant en sifflotant tout près des barricades. Naïf, contemplatif, il ne s'est pas méfié. Et une maltrape, d'un coup, de lui s'est emparée. Or, sachez que la maltrape, cette drôle de cage, dévoile à Gargamel l'emplacement du village. Dès que la plante attrape un schtroumpf inoffensif, elle envoie un signal aux sorciers attentifs. Pour éviter cela, il faut, séance tenante, délivrer ce bêta et terrasser la plante. Heureusement, qui revoilà avec son attirail ? C'est le schtroumpf à lunettes, prêt à faire le travail. C'est sûr que de base, on n'est pas sur des ingénieurs. Hein. Oh, je schtroumpf ou quoi ? Personne pour m'accueillir en héros ? Une grande fête en mon honneur aurait été la moindre des choses, n'est-ce pas ? Schtroumpf à lunettes, te revoilà enfin. Oui, grand schtroumpf, j'ai récupéré le... Plus tard, il faut vite aider le schtroumpf bêta. Le temps presse. Il s'est fait schtroumpfer par une maltrape. Ça pourrait mener Gargamel tout droit au village. Le schtroumpf bêta est sur la place centrale et elle est envahie par la contamination. Oh, quoi ? Non, il est marrant, oui. Il porte bien son nom, celui-là. Même pas le temps de me reposer que je dois à nouveau schtroumpfer les héros. J'espère que tu schtroumpfes bien, schtroumpfette. Tu rigoles, mais j'ai vu un mec le faire. C'est un poil cliché. Mais il y a des trucs en bas. Ah oui, d'accord, ça libère le passage à chaque fois. Oh, faut refaire tout le parcours. C'est communiste. Hop. Je dois aller sauver ce bêta de Schtroumpf bêta. J'aurais dû être acclamé pour avoir ramené l'Aqua Magnifica. Mais non, tout le monde a les yeux rivés sur le Schtroumpf bêta. Et voilà, bingo. Il est grand le village. J'en souvenais pas comme ça en fait. Pas plus petit quoi. Oui, non, je suis pas surpris, Mephistos. Je te dis, moi j'avais vu. C'est moi, le schtroumpf à lunettes. Je suis venu te libérer. J'avais bien vu un type le faire avec de l'huile.
y a un truc de spawn. D'accord. Il y en a une qui est à chier, pas de soucis. J'arrive, j'arrive. Ah, je trouve pas lunettes, c'est gentil de venir me voir. Tu veux une carotte? Que ça va être chiant. Et vous êtes un peu plus de sang les enfants hein. Ah j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Pourquoi? D'accord, fallait vraiment jouer à la frame. Bien joué, René. Et que gagne René au fait? Bastion. Très bon jeu aussi. Je trouve bêta. J'ai pourtant prévenu que Gargamel pouvait se servir de ses plantes pour schtroumpfer le village. Tu as mis tous les schtroumpfs en danger. Ah, je croyais que vous vouliez que je schtroumpfe dans la plante. Non, inutile d'insister. C'est peine perdue. Hmm? Je tiens quand même à vous rappeler que je reviens de loin, n'est-ce pas? J'ai réussi à rapporter le premier ingrédient, l'Aqua Magnifica, si ça intéresse quelqu'un. Félicitations, schtroumpf à lunettes. Grâce à ton courage, il ne nous manque plus que deux ingrédients. Bon, c'était un jeu de bébé schtroumpf. Grâce à mon intelligence supérieure, j'ai pu relever tous les défis que j'ai pu... Oh, t'es parti en voyage, schtroumpf à lunettes? Bah, il me range, schtroumpf. Je vais aller me reposer, je l'ai bien mérité. Grâce au schtroumpf à lunettes... Bien sûr, tu peux la donner à Mephisto, bien sûr. En demandant pardon de s'être fait piéger. C'est arrivé à d'autres, répondit le grand schtroumpf. Certains manquent à l'appel, comme schtroumpf et aussi schtroumpf. Pour tous les délivrer, il faut incessamment fabriquer l'antidote cité auparavant. Pour les cristaux rosés, ingrédients insolites, ils sont entreposés dans le château marmite. Le château marmite, c'est l'école des cuisiniers, des pros de la cuisine et des repas parfaits. Ah, bien. Au village, un seul schtroumpf connaît bien cet endroit. C'est le schtroumpf cuisinier, il se rendra là-bas. Alors moi j'ai mangé une fois au château marmite, c'était bon, je ne dis pas le contraire, mais ça n'était pas non plus... Enfin bref. Quel plaisir de partir au château marmite, j'en salive d'avance. Il est content, ah oui, content. Apparemment, le schtroumpf bricoleur voulait me voir avant de partir. Oh, on a schtroumpf cuisinier, cool. Salut, schtroumpf cuisinier. J'ai une petite surprise pour toi. J'ai schtroumpfé quelques améliorations au vaporisage schtroumpf. D'ailleurs, si tu trouves des ressources lors de tes balades, n'hésite pas à me les schtroumpfer. Plus j'en aurai, et plus je pourrai améliorer le vaporisage schtroumpf.
Schtroumpfin, non? Oh, j'ai hâte de voir ça. Mais tu disais que tu avais une surprise? Ah oui, j'ai amélioré le vaporisage Schtroumpf pour t'aider au château Marmite. Ah oui, la taille du réservoir, je dis pas non. Plus de santé. Et ça, c'est gratuit. Donc Freeman remet la clé en jeu. Parfait. Désormais, tu peux utiliser le sprint. Grâce à ça, tu pourras avancer beaucoup plus vite. Oh, super! Je pourrais défier le Schtroumpf costaud à la course, alors. Et grâce au sprint, tu peux aussi casser des choses. Il y a quelques plantes à côté de mon atelier. Il y en a une qui a sorti sa petite tête dehors. Essaie de lui schtroumpfer dedans en sprintant. En la tapant, tu arriveras à en faire sortir d'autres. Mais il faut que tu sois rapide avant qu'elle ne retourne toute dans le sol. Ensuite, tu pourras rejoindre le grand Schtroumpf. D'accord. Coucou, on se sert la Schtroumpf? Non, je te connais pas. Sûr de pouvoir schtroumpfer des cristaux rosés au château Marmite? Aussi sûr qu'il faut casser des œufs pour faire une omelette, grand Schtroumpf. Il y a une réserve de cristaux dans le château. Comment se fait-il que tu connais si bien cet endroit? C'est une longue histoire. Allez, j'y vais, le temps presse, hein. Comptez sur moi pour rapporter le second ingrédient, les cristaux rosés. Il faudra qu'on ait une petite discussion tous les deux à ton retour. On peut voyager. Ah, putain. Oh, chouette. L'extérieur du château Marmite. Et félicitations, Sourine. Bah, tu vois. Bravo. Ça va être du gâteau. Je vais entrer dans le château et schtroumpfer les cristaux de rosée. Cette mission sera aussi facile que de schtroumpfer des œufs à la coque. Je sprinte vers l'avant à l'aide du vaporisage Schtroumpf, ça me donnera un bon coup de fouet et je pourrai schtroumpfer à travers cette structure. Ah, mais il est très bien, Sourine. Eh merde. Ok, on peut rester appuyé, on n'est pas obligé de bourrer. Ok, c'est bon à savoir.
Eh merde. Oh. Salut à toi, Isley. Merci beaucoup pour le follow et j'espère que tu vas bien. Oh, putain, c'est au moment où je saute que ça merdoie. Je peux jouer que à la PS5, je suis pas PC Master Race. Oh, t'as le droit d'avoir de faire des erreurs, bonnet, hein. Tu sais, c'est pas grave. En vrai, personne t'en veut, hein. D'avoir un gros PC pour Bastion, il date quand même, mais ça reste un bon jeu. Ah oui, il est pas récent, mais ça reste un très bon jeu, je suis d'accord avec toi. Là, t'as pas besoin d'avoir une bécane, comment dire, de folie. Dans 20 ans, après la sortie de Skyrim sur PS7. Pourquoi t'es méchant comme ça? Tu vois bien qu'ils font des efforts. Bonjour, merci, j'espère que toi aussi, cher streamer, je suis plutôt genre à regarder plutôt qu'interagir, donc je retourne dans l'ombre, bon stream, mais je t'en prie, et j'espère que ça schtroumpfe. Donc tout va bien pour toi, tant mieux. Après on est une communauté très bavarde, mais t'inquiète, j'ai aussi pas mal de viewers de l'ombre, ce que je respecte. Des efforts pour sortir Skyrim sur frigo et aspirateur. Bon, déjà il faudrait qu'ils arrivent à le faire tourner, le frigo et l'aspirateur, cher René. Je crois que c'est déjà fait. Non, là, oh. Schtroumpf. Encore de nouvelles choses à soigner. Mais comment? J'ai bien envie de lui sprinter dessus pour la faire tomber, tiens. Allez, c'est parti. Prends ça dans ta Schtroumpf. Ah. Sympathique. Je confirme bientôt sur Toaster connecté, merci. Oh, c'est le château. Oh. Tiens, ça c'est bizarre. Il n'y a pas un humain dans le château. Ça change la forêt, c'est chouette. D'habitude, c'est la foule. C'est Doom. Oui, j'ai vu avec un écran de test de grossesse. Enfin, il n'y a pas 400 versions de Doom 1. Let's go! Je ne suis pas venu au château depuis des Schtroumpfs. J'ai hâte de revoir mon ami le chef Toc Toc. Ah, avec une petite musique un peu médiévale, pourquoi pas. Mmh.
Ok, fantastique. Entendez ? Oui, ici le grand Schtroumpf. Que se passe-t-il ? Je suis devant le château Marmite, mais c'est étrange. La porte principale est fermée. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur que cette mission ne tourne au vinaigre. Mais alors, comment vas-tu entrer ? Mon ami, le chef Toc Toc, avait créé un petit passage exprès pour moi. J'espère juste qu'il n'est pas fermé lui aussi. Si je me rappelle bien, en longeant le mur, je peux accéder au petit passage que le chef Toc Toc avait schtroumpfé pour moi. Délicieux. Bien, je pensais l'avoir nettoyé. C'est bien à quoi ça me fait penser quand je passe l'aspirateur comme ça à Luigi Mansion. Faudrait d'ailleurs que je le fasse. Je savais pas qu'il avait des synthés, le mec qui faisait la musique médiévale. Oh, t'as très bien compris. Ils ont voulu donner une rythmique. Oui, il a dit le château Marmite. Oh, genre de passage que je déteste, bien sûr. Sinon, où est le fun ? Qu'à cette vitesse, je pourrais passer au travers. Alors ça, c'est un irien schtroumpfé. Le passage que le chef Toc Toc avait créé pour moi est lui aussi fermé. Ça sent pas bon tout ça. Allô, les amis ? Vous me recevez ? Je n'ai pas pu entrer dans le château. Toutes les issues sont bloquées. Je vais devoir schtroumpfer par l'extérieur pour accéder aux cuisines. Mais elles sont au dernier étage, non ? Oui, je peux grimper sur les pierres pour y accéder. Fais attention, ça a l'air schtroumpfement dangereux tout ça. Ne vous inquiétez pas, grand schtroumpf, c'est du tout cuit. Ouais, je sais pas pourquoi, je sens que ça pue surtout. Ça a l'air un peu haut tout ça. J'ai bien envie d'utiliser le sprint sur ce champignon pour me donner de l'élan. C'est que c'est mignon comme stream tout ça, comme qu'une bonne manière de finir la soirée. Salut Nutis, j'espère que tu vas bien. Enfin en tout cas que ça je trompe. Je remarque qu'ils utilisent des accords non conformes au Moyen-Âge. Oh. Merci, je connais la musique médiévale. Mais il y a quand même, excuse-moi, quelques accords qui correspondent. Mon dieu, jeune et déjà chiant, mais qu'est-ce que ça va être quand tu vas avoir mon âge mon garçon ? Ramasse bien tous les glands, Franck. Oh. Dieu que j'en ai ramassé pendant ma vie. Des glandus. Des glands, pardon. Des glands. On a la commu qu'on mérite. Ah bah. C'est un peu la punition alors. C'est pas ça qui manque. Ah, Krampmann. Un moyen de rentrer dans le château Marmite. Fort bien. La contamination a proliféré comme du lierre. Elle monte plus vite qu'une mayonnaise. Je vais devoir schtroumpfer sur les gouttières pour soigner les cœurs et arrêter tout ça. Dis, il est déguisé en schtroumpf. Ah non, pas du tout. Là, je suis déguisé en Pamela Anderson.
Pourquoi ça se voit pas? D'ailleurs, j'en profite, je les remonte. J'espère que t'étais là, Godcus, quand j'ai fait Wineband. Aïe! Ah, Seigneur Dieu. Oh, monsieur esclave aussi, c'était rigolo. Ouais, je suppose que je vais devoir descendre, ouais. Ouais, tu me donnes match, choix, ouais. Oui, j'ai vaguement compris. Let's go. Oh. Ah, intéressant. T'es pas Mela Anderson surtout. Oui, tout à fait, Crampan. J'ai vu Monsieur Esclave et la licorne. Ah, donc tu m'as pas vu en Pamela, tu vois. Un peu le blues, Pamela, dis donc. Et puis un peu de laisser aller avec la barbe. Ouais, bah elle aussi, elle a vieilli. Hein. Il a posé le rabbin. Non, déguisé en prêtre. J'ai le droit, je suis catholique. Rends-toi la meurtrière. Moi je veux bien, elle est où? Ah, elle est de l'autre côté. Ah oui, sinon ça serait pas drôle. Ah si, peut-être, pas sûr. Ah. Hello les amis, vous êtes là? Je crois que j'ai trouvé un moyen de... Merci Crampman, c'est un amour. Merci beaucoup. C'est très généreux de ta part. En tout cas, je te remercie pour Jorna, pour Abandon, pour Landry, pour Erazul, pour Tsunayo, pour Dragoné, pour Adrien, pour Vikan, pour Ogun, pour Sheds. Merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil. Ah, en gourou de secte aussi. Ah oui, non, je n'étais pas en gourou de secte. Tu te méprends. Je n'étais pas en gourou de secte, mais en hippie. Ah oui, c'est vrai, en gourou de secte. Si, autant pour moi. Je dis des conneries. Oui, c'est vrai. C'était sur Join a Cult. Voilà, c'est le truc que je trouve con, c'est que quand tu dois changer de direction, faut relâcher. Je la tente. Hop là. Bien tenté. Je suis content. Il est content, Gaëtan. Oh non. Non, c'était pas mérité. Parfait. J'adore oser I John Occult. Mais je le reprendrai avec plaisir, tu vois, celui-ci, mon cher Blues, parce que j'ai apprécié. En plus, il y a eu pas mal de mages. Pamela égale plage, plus peau bleue égale avatar 2. Ça va aller, Mika. Détends-toi. Tout est lié. Ça sert à quoi d'arroser l'herbe pour avoir des graines? Ça sert à quelque chose? Oui, pour les améliorations, René.
Regarde. Tu vois, par exemple, celle-ci, il me faut 2 fioles et 2 graines. Enfin, 250 graines. Alors que les autres demandent... celle-ci me demande 16 écorces, 16 cadeaux, 500 graines, 10 champignons bleus, mais je suppose que ça doit être dans la prochaine zone. Oh non! De la contamination sort des fenêtres! La contamination se serait-elle schtroumpfée jusqu'à l'intérieur? Ça explique peut-être pourquoi tout le monde est parti. Lors de ma dernière visite, il y avait des élèves cuisiniers dans tous les coins. Quelle misère! Ces plateformes sont aussi solides que des biscottes. Hop là! Non. Youpi! Non! Enfoiré! On dirait un mélange de Luigi Mansion et de Mario Sunshine. Oui, tout à fait. Je sais plus qui a fait la réflexion aussi. Bon, après, j'ai pas joué à Mario Sunshine, donc. Comment dire? Je suis obligé de vous faire confiance. Je suis coincé, au secours, Jafar. Oh, on est à l'intérieur du château. Ce doit être un des nombreux débarras du château. Il doit forcément y avoir une autre sortie qui schtroumpfe encore plus haut. Oh, c'est trop bien. Salut, Crazy Bisounours, comment vas-tu? T'en as plus qu'assez pour la fin du jeu des graines. Ah, c'est fort possible. Quoique, ça dépend combien coûtent les améliorations. Tu sais, au bout d'un moment... Oh là là. Génial! Et hop! Toi, tu es quoi? Oh! Hop là! Allô, les amis! Ça y est, je vois le bout de la muraille tout là-bas! J'avoue que je suis assez inquiet! C'est pas qui, Franck? Tu l'as sûrement déjà dit, j'en suis désolé. De quoi, les schtroumpfs? Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Je sais pas du tout. T'as lu Paf, comment vas-tu? Ça schtroumpf? Elle doit sans doute se trouver au château. Ça expliquerait toute cette prolifération. Bon, je vous laisse. Je vous rappelle plus tard. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est choper ce truc-là. Déjà. Oui! Régler le problème. Voilà. Édité par Microïd. Some Studio, ils ont fait aussi fait Asterix et Obélix XXL. D'accord. C'est un studio lyonnais. Oui, donc ça explique que les mecs font du bon boulot. Dernier de la soirée a gagné une clé pour Trine 2. Ah yeah! C'est bien la première fois que le chef Toc Toc n'est pas là pour me schtroumpfer la bienvenue. C'est à se demander s'il y a encore des humains dans les parages. Attends, le chef Toc Toc est un humain? Pose pas de questions, Franck, avance. Super! Félicitations, Grand Man!
Je sais pas si j'attends celle du bas. Voilà, là, à la hauteur. Ah, raté. Oui. Ah, enfin un endroit que je reconnais. La terrasse balcon. Sauf qu'avant, il y avait des tables et des chaises ici. Merci, Crazy Bison, c'est un amour. Débris. Merci Comment beaucoup. Comment le chef Toc Toc et ses élèves ont-ils pu schtroumpfer cet endroit dans cet état? Bon, on schtroumpfera ça plus tard. Allons-y. Il y a une petite entrée pour moi dans le coin. Oui, j'en étais sûr. Oh, abusé. La violence. Bon, en fait, il se fait tard, je vais me coucher. Bonne nuit à tous. Bah, bonne nuit, mon cher Pafk. Et repose-toi bien, des gros bisous. Je compte bien dans ton lit. Me voilà enfin. En vrai, le niveau est vraiment cool. Bien. Direction la cuisine. Elle est dans la grande tour centrale qui est visible de très loin. Impossible de la rater. On parle de moi, hein. Merde. Peut-être monter. Faut peut-être monter plus. Hop là! Tu vois, c'est quand même dommage que tu gagnes pas, hein, René. Mais quand on voit ton état d'esprit, je peux comprendre. Ou alors, dans le château, la cuisine est en général en bas, plus en haut. Mais enfin, bon, oui, on est sur les schtroumpfs quand même, grand man. Hein. Ça commence à me gonfler le nénuphar. À moins qu'il y ait un combo où je peux faire ça. Non, je peux pas. Ah, stouquette compliquée. Comment je peux faire? Ça, ça disparaît. On est d'accord que je l'ai automatiquement dans le baba. Pourtant, je saute, je prends bien de la hauteur. Non, ça marchera pas non plus. Est-ce qu'il y aurait pas un truc que j'ai zappé? Non, non, c'est bien la bonne chose, mais ça doit jouer à bien peu de choses. Non, je vais tenter.
qu'on a ici? Un tuyau? On peut y aller? Non, il n'y a rien. Au secours! D'accord. Putain, j'ai cru que j'avais fait bugger le jeu. Les créneaux, j'y ai pensé, mais le truc, c'est que j'aurais pas assez pour sauter, en fait. Parce que, admettons, tu vois, les créneaux... j'aurais pas assez. Sur Steam, j'ai 5 jeux, dont 4 gagnés ici, un seul acheté. On sent la newbie, hein. Essaye de monter sur un muraille, on peut, hein. Ça marche. On peut pas. Ah, au secours. Au secours, je suis coincé. Jafar. Ok. On peut pas. Muraille dans l'os. Un chatal des châteaux. Un chacal des chacos, non? Non. Tu m'as mal souri. Non, non, je crois que le jeu veut me faire comprendre qu'il faut le faire vraiment au poil de cul. Oh, le mur invisible, c'est nul, ouais. Ça, c'est la méthode des développeurs pour me dire non, tu n'y vas pas. Pourtant, qu'est-ce que j'ai pu rater? Est-ce qu'il me manquerait un saut, un élément Qu'est-ce qui me manque? Ah. Hein? Attends. Super. On va prendre. J'ai un walkthrough sur YouTube. Bah, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solus, hein, René. En vrai, je peux pas prendre pied sur les murailles. De toute façon, il ne me donnerait pas... Pff. Si, un tout petit... un tout petit centimètre. Derrière, il y a que dalle qui me permet de repartir ou de faire quoi que ce soit. Et là, on me donne les points pour faire le saut. Turbo au sol vers le champi, rebond plus haut, non? Ah, pas con. Oui, d'accord. En gros, tu veux que j'utilise mon sprint. Une fois que j'ai utilisé le sprint, j'utilise l'envol. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Non. Il fait une sorte d'accélération pendant le vol, je sais pas comment. Ouais, je sais pas trop. Attends. Comment il fait son accélération? Tu me dis qu'il fait une accélération en vol? Comment il peut faire une accélération? J'ai honte aussi, pourquoi c'est un bon jeu? Salut Clébar, comment vas-tu? Salut, sauter sur l'arrière du champi? Sauter sur l'arrière du champi, tu veux dire vraiment sur la bordure qui est ici? Ouais, mais ça me donnera pas plus de... Au contraire, même, je vais perdre de l'énergie, je pourrais pas rebondir de l'autre côté. Il rebondit sur le champi d'abord. Oui, oui, qui rebondit sur le champi, ça c'est pas un problème. Salut Inovac, comment vas-tu? Merci Krampman. Putain, mes vertèbres. Oh, ça schtroumpfe? Oh. Attends. Essayons de réfléchir. Tu m'as dit qu'il avait fait une accélération, mais comment il a fait son accélération, le coco? Bon, essayons à l'arrière du champi, hein, je veux dire, c'est pas plus déconnant que le reste. Hein. Non, 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 je suis just. Tu me dis qu'il arrive à faire une accélération, mais comment il fait son accélération, le mec? J'ai pas eu de truc pour l'accélération. Attends, je voudrais essayer un truc. Et hop, génial! Ah non, quand t'es en vol, tu peux pas actionner le deuxième. Ça, c'était l'avant. Ah, l'arrière! Bon, non, mais j'ai essayé tout à l'heure. Le résultat reste... raté. C'est pas grave. On va reprendre. Non, sur la vidéo, il y a un bruit, ça fait tchut. Bah c'est le mécanisme, c'est normal ça. D'ailleurs Franck, le mois dernier j'ai gagné Carto et il est vraiment sympa et tout chill comme jeu. J'ai encore joué avant-hier un cadeau de Nadie, je crois celui-là. Oui, tout à fait, c'est Nadie qui l'avait offert. Si c'était aussi facile, Krampman. Ouais, ça doit se jouer de très peu, faut que j'essaye de taper à l'avant avant quoi. On va essayer.
Essayons. Non. C'est pas assez. Encore plus à l'avant. Chaud si ça doit se faire à la frame. Ouais, ouais, mais... ça... Bon, en même temps, ça me paraîtrait pas peut-être loufoque. Il saute sur le champi en avançant, je crois. En avançant ? Ouais, c'est pas logique, il va taper le... l'arrière. Raté. Pas grave. Putain, alors la caméra, laisse tomber. Ouais, un allégatoire, hein. Ça accélère de suite. Bah écoute, on va essayer René, hein. Je veux pas mourir con. Non, tu vois. Hein, je suis gaulé. Alors, est-ce qu'il aurait pas une amélioration ou un truc dans le genre. On va essayer de taper vraiment l'avant du champignon, mais j'ai quand même un vieux doute, hein. Essayons. Non, on n'y est pas. Reviens, doudou. Encore si j'avais la possibilité de faire un double saut ou un truc comme ça. Quand il finit le saut, ça accélère de suite. Ouais, ouais, mais moi j'ai pas ça. Moi j'ai ça si tu veux. Tu vois. Ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est pour mon sprint. Parce que même avec le sprint, ça va rien me donner de plus. Hein. Un double saut présent. Ouais, je sais, mais... non. Bah, tu es pas saut, Crampan. Tu es beaucoup de choses, mais pas saut. Ouais. Bizarre, comme si le premier saut ne montait pas assez haut. Ouais, ouais, c'est... surprenant, mon cher Carly. Parce que j'y suis, hein. Je veux dire, même... allez, admettons, je tape vraiment le bord avant du champignon. Ah non, pas moyen. Je bouffe la pierre. Tout à l'heure, le jeu parlait bien du sprint sur les champis pour sauter. Plus haut, je vois que ça. Bah écoute, on peut essayer, hein, mais à mon avis, ça, c'est l'équivalent du... du splash. Bah essayons. C'était ça que tu as entendu. Ça y est, j'ai percuté, tu vois. C'était diablement tordu, mais juste. Voilà. Ce que t'appelais l'accélération, c'est le sprint. On va aller traîner par là. Merci, Michael. Et je suppose qu'on va devoir utiliser le sprint. On dirait une pièce montée qui s'est écroulée. Pas le choix. Il va falloir schtroumpfer dans le vide et planer. Oh, j'adore schtroumpfer dans les airs. Je me sens léger comme un nuage de lait. Oh, vous me direz. Génial! Ça marche, Carly, des gros bisous. Bonsoir, inspecteur Maurice. Ça schtroumpfe. Hop là. Ouh, secours. C'est bon. Allô, grand schtroumpf? Je crois voir une maltrape au loin. Elle est fermée. Il doit y avoir quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur. Nom d'un petit schtroumpf. Ça confirme nos soupçons concernant l'avancée de la contamination. Pourquoi t'es allé jusqu'où, Freeman, dans les schtroumpfs? Ça schtroumpfe bien, tant mieux. Je viens de voir sur YouTube comment un joueur a passé l'obstacle. Ouais, mais t'as vu, avec le sprint. Je raccroche, hein. Attends, doudou. Je pense que le truc, c'est que tu veux que je saute. Ah, cette fois-ci, on n'utilise pas le sprint. Ok, je vais pas par là. Oh, Dieu, monde cruel. Ah. Oui,
Oui. Ah, ça doit être le cellier. Tous ces barils contiennent du jus de salsa pareil, visiblement. Les cuisiniers du château ont fait des réserves. Reste à savoir si ces jus ont été faits à partir de salsa pareil contaminée. Oh putain. Oui, oui, on monte. Il n'y a pas de souci. Youpi ! Bah. Où qu'elle est passée, l'araignée ? Non. Pourquoi on s'emmerde à la suivre ? J'ai vu aussi, mais j'étais incapable de l'expliquer. Oui, oui, mais en fait, c'est parce que comme tu arrivais en cours, t'avais pas vu que j'avais plusieurs fonctions. Ouais, donc il va falloir sauter de plus haut. No problème. T'as pas répondu, Freeman, jusqu'où t'es allé dans les schtroumpfs. Et t'as pas non plus répondu ça, pour savoir s'il y avait Gargamel. Ça marche, Campman. Des gros bisous. Je te souhaite une bonne nuit. Putain, j'ai raté. Il faut aller un poil plus loin. Il ne l'a pas terminé, il l'a dit tout à l'heure. Oui, mais je veux savoir où il s'est arrêté. Que ça m'amuse. Ah. Allez, c'est l'occasion de battre le record du Schtroumpf costaud et de courir à toute vitesse. Et merde. Oui, là c'est un peu court, même pour moi. Oh oh. Fallait bien qu'on ait un emmerdeur. Oh ben non, d'où tu me touches? Ah oui d'accord, dès que tu t'approches, schling, ok. Oui, Franck, ça pique aussi. Ouais. Hop là. Oui, youpi. Bon, alors, voyons voir. Let's go. Oh, merde. Oh.
nickel. Oh. Non, au secours. Et merde. C'est bon. Voilà la tour où se trouve la salle de classe. Et je vois aussi la petite entrée que m'avait construit mon ami le chef Toc Toc. Il va falloir s'élancer dans le vide, planer et arriver sain et sauf de l'autre côté. Mais bon, on va pas en schtroumpfer tout un fromage. Oh oui, non, j'en conviens. On va pas en schtroumpfer tout un fromage. Et merde. Adieu monde cruel. X. Ok. Allô, Schtroumpf cuisinier, tu me reçois? Le Schtroumpf à lunettes a fait l'appel. Et il ne manque qu'un seul schtroumpf au village, le schtroumpf gourmand. Je pense que c'est lui qui est prisonnier de la maltrape. Ah, ça ne m'étonne pas. Quand il a su c'est que ça, nickel. Il n'a pas pu résister à l'envie de se schtroumpfer l'estomac. Bon, comptez sur moi, grand schtroumpf. Je vais le schtroumpfer de là. Oh oui, on va le schtroumpfer de là. Enfin, dès que j'aurai fini de me cracher comme un gros caca. Sympa. Ouais non, ça passe pas. D'accord. Dommage. Oh, il y a un trou. Il y a rien à choper. Non. Oui, je m'en suis douté. En même temps, le cuistot a pas forcément envie de prendre son meilleur client, j'imagine. Oui, c'est clair, avec un schtroumpf dans le schtroumpf, pour lui schtroumpfer une leçon quand même avant. Hein. Elle te nargue, l'araignée. Un peu. Mais bon, je vais partir du principe qu'elle est bénéfique puisque elle me montre le chemin, mais bon. Je suis un peu vexouillé quand même. Alors attends. Mais d'où? Mais d'où? Mais d'où? Mais pas du tout, je me suis pas croûté. Ok, d'accord, je me suis croûté. Je le savais, hein. Hop là! Quel plaisir de revenir ici. C'est là que je me cachais pour écouter les cours du chef Toc Toc. Tu nous as dit que c'est qui le schtroumpf casse-noix du coup? C'est Pat? Ah non, lui c'est schtroumpf désolé. Allô, les copains? Je viens de découvrir un livre de recettes posé sur un pupitre. Profites-en pour apprendre de nouvelles recettes, ça nous changera. Non, il vaut mieux pas que ce schtroumpf ça, schtroumpf à lunettes. La recette parle de jus de salse pareil, mais aussi, je cite, d'une nouvelle plante étrange, fort goûtue et qui pousse rapidement. La maltrape! Les cuisiniers du château ont mangé de la maltrape, oui. C'est peut-être à cause de ça que le château est fermé, n'est-ce pas? Je vois pas oui, du coup. Sans doute. Mmh. Bon, je te laisse, je te dirai si j'en apprends plus. Oh putain, merci pour l'angle. Oh.
déconne. Voilà. Ah. Super, délicieux. C'est plutôt le schtroumpf gaffeur. C'est intéressant, Yann, de te voir tourner. Génial, oui. Aïe. Aïe. Maltrape droit devant. Mais pas moyen d'y accéder sans me faire toucher par les maltiges. À moins d'utiliser le vaporisage schtroumpf pour foncer à toute vitesse. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Je sais pas ce que c'est ce truc là. On peut pas les choper. Ouais, je peux pas les cogner. Bon, plus tard peut-être. Hop. Pauvre Bacchus, Sebastian. Oui, le pauvre bot. C'est vrai, j'avais pensé à Bacchus. Tu m'as démasqué, Yann. Ouais, je suis bloqué. Non. Ok. Faudrait que tu m'autorises à crapahuter là-dessus, mais... j'ai rien pour crapahuter. À part cette plante. Mais je ne peux pas foncer dedans. Hop là ! Là. Ah, attends. D'accord. Et hop. Je suis débile. Ouais, ouais, il fallait. Oui, oui, je sais, je sais, je sais. Non plus ? Ah, merde. Tu veux pas. D'accord. Donc, ce n'est pas la solution. Aïe. Peut-être en montant. Par là, ça me fera gagner rien du tout. À gauche du coup dans les airs. Non mais même à gauche dans les airs ça me fera pas. Regarde, si je fais à gauche par les airs, je crois pas que ça va me faire sauter, tu vois. Tu vas pas assez haut. C'est pas assez haut, c'est pas assez haut. C'est pas assez haut les enfants. Par contre, j'aurais pas dit non pour une caisse. Et je crois qu'il y en avait ici. Parfait. Oh non, celle-là on la garde. Pourtant, j'aurais bien fait un sprint. Non, non, je passe en dessous. Et pourtant, je l'ai bien pris. Moi, j'aimerais bien être schtroumpf farceur dans le village. Ça doit être jouissif de voir cette bande de nouilles toujours se faire avoir par les cadeaux piégés. Bon, en tout cas les amis, moi je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais vous remercier bien évidemment pour votre présence, vos soutiens respectifs. J'espère au moins que vous avez pris au moins une bonne tranche de rigolade et que ça a été récréatif pour vous. On se retrouve, puisqu'on sera jeudi soir, pour une soirée de découverte. Il y aura deux jeux. Il y aura Hero Hours et Quest Hunter. L'un m'ayant été offert par Agnar et l'autre par Psyché d'Ivoire que j'ai vraiment hâte d'essayer. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Pour ma part, je vais aller prendre une bonne douche, me débarbouiller le visage parce que c'est insupportable. Et je vous fais des gros bisous. Bon courage pour demain. Ciao les canards.